新的赛季，故事继续，战士又起，赛况升级，队伍更加强大，选手愈发出彩，有老将回归，也有新人上场，激战！经典老番，瑞兹保留节目，来不及了，穆云有大吗？直接飞过来，抢球吗？我抢到了！乱斗！哎，这个是想找回城的人。哇！我的天！又不停歇。哎，吸！反应很快，有表，表结束，有闪，有虚弱，哎、闪现躲个贴脸的炮，黄牌定住。哇！有双清线接 Q。欢迎回来，这就是 LPL。Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle matinée de LPL. Jour férié en France, absolument pas jour férié en Chine. Donc on va pouvoir en profiter tranquillement et pour pouvoir en profiter, bon, on démarre de 1 avec les Sunning et de 2 avec Nox. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, je vois que tu fais passer les Sunning avant, très bien. Je note. Dis-toi que j'ai oublié les Rogue Warriors, c'est pas grave. Ouais, mais bon, Rogue Warriors. Et franchement, Rogue Warriors, ils ont fait plutôt une semaine correcte. En vrai Pour eux, ok. Ouais, ouais, non, forcément, ils ont fait une semaine correcte, donc forcément, c'est pas un gros concurrent à Sonic, qu'on soit d'accord. Normalement. Mais on sait jamais. Parce que bah, visiblement, ils sont pleins de surprises. C'est ça. Les Sunning, bon, ils ont tout de même fait tomber les top e-sports lors de leur précédent match. Donc, en termes de niveau individuel, ils vont devoir surpasser les Rogue Warriors. Mais c'est une équipe, du côté des Rogue Warriors, qui amène des nouveaux joueurs, qui tentent de nouvelles choses, qui tentent de nouveaux rookies. Et forcément, il y a toujours ce petit côté où tu te dis bah, peut-être qu'un rookie peut bien fonctionner le jour J et surprendre des adversaires non préparés. On voit les résultats d'hier, BLG face à Titi, c'était extrêmement serré. Et forcément, de reconnaître que Titi a vraiment pas si mal joué que ça face à BLG. Ils ont tenté des trucs, ils avaient des compositions, en tout cas des drafts qui étaient simples à exécuter. Et qui leur ont permis de vraiment mettre en difficulté les BLG. Alors les BLG ont fini par l'emporter, mais c'était pas si simple que ça. Donc les Titi resteront à la 16e place, et juste avant, du coup, il y a ces Rogue Warriors à la 15e place qui ont un match de plus de gagner. Et un de ces matchs est face à IG, mon cher Zero. Ouais, c'est face à IG, ça avait lieu lundi dernier. Bon, ça les avait bien évidemment surpris, mais que pouvons-nous attendre d'Invictus Gaming? On bat le tableau. On perd contre le bas de tableau. On a l'habitude désormais, ça ne nous surprend même plus. Le truc, c'est que les Sunning nous ont déjà fait des belles perles comme ça également. Ouais, c'est... Après, le haut de tableau, c'est Top eSport. Ouais. Qui, même s'ils ont fait tomber EDG, sont entre guillemets que 7e. Donc, c'est pas le si haut de tableau que ça. Ouais, enfin, ils ont battu les Sunning, IG, tu vois. Donc, ça reste quand même une équipe qui a battu le haut de tableau. Oui, bah disons que c'est la partie supérieure, c'est vrai. Dans les faits, c'est la partie du haut, je te l'accorde. C'est vrai que leurs trois victoires à Invictus Gaming, il y a contre Sunning, contre Ultra Prime, une équipe on va dire normale, et la dernière c'est contre Femplus Phoenix. Donc, ouais, c'est trop bizarre. C'est mais toujours bizarre. C'est toujours très étrange hein, les matchs à IG, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que bon, du côté de Sunning. On a un profil, en effet, un petit peu similaire où face à les équipes bas de tableau, on a tendance à se relâcher un petit peu plus. Et du coup, ça peut créer des matchs un peu surprenants, disons-le. Mais bah, Rogue Warrior, quand même, c'est difficile de trébucher face à eux. C'est ça, il ne faut absolument pas trébucher. Mais on va principalement regarder au niveau du top side des Sunning qui aiment beaucoup aller chercher le 1v1. Bean aime aller le chercher. Il peut se faire surprendre contre des équipes qui ont prévu un plan de jeu contre lui. Mm. Et Style of Me, toujours... Ça c'était déjà l'année dernière, hein. Mais d'aller chercher peut-être un peu trop loin à chaque fois, d'essayer de pousser son avantage encore plus fort. Il y a des moments où il se fait catch, et que ce soit une équipe de haut tableau ou de bas de tableau, quand t'es au mauvais endroit, au mauvais moment, tu meurs. Et surtout que je trouve que mécaniquement, Style of Me me déçoit cette année. C'est déjà un peu le cas au Spring, mm-hmm. Et je trouve que ça se confirme assez au Summer. Il est bien moins fulgurant que ce qu'il a pu l'être l'année dernière. Il y a quelques Udyr qui ont rouillé les mécaniques là. peut-être, je sais pas aussi, peut-être que on se rend pas compte, mais que le shotcalling de Sword Art mettait aussi Style of Me en confiance sur certains moments un peu clutch quant à sa présence à certains endroits, etc. Je sais pas, j'avoue que c'est toujours compliqué de savoir, mais forcément de reconnaître que
Stalomi qui m'avait vraiment bluffé par son gragasse l'année dernière par exemple, et pas du tout été au rendez-vous au sprint dessus, et ça se confirme un petit peu sur le début de ce summer. Donc bon, on nous montre ici des drafts Rogue Warrior, et on est en train de remarquer, de mettre en valeur là, simplement le fait que on change très peu de draft et que du coup il y a des champions très précis à ban, ce set. La Gwen aussi. Le Varus, même si Betty est très strong dessus, je pense que ça fait partie des picks qui peuvent être contrôlés dans une fois arrivé en game. Mais c'est vrai que la Gwen jungle du Xiao Hao. Ouais, c'est vrai qu'on la voit de plus en plus, cette Gwen jungle, surtout cette capacité à flex qui fait qu'elle est priorisée encore plus tôt en draft que ce qu'on avait l'habitude lors du précédent patch. L'absence de Rumble en jungle AP peut aussi justifier le fait que cette Gwen ait enfin trouvé le chemin de la jungle, mais ça reste un jungler qui au début de partie est faible. On sait que c'est très faible en dive, très faible en 2v2 au début de la partie, mais c'est un très très bon dueliste à partir du moment où tu obtiens ton niveau 6, c'est surtout ton créateur de faille. C'est pourquoi on l'apprécie toujours en tant que top laner, mais que tu peux réussir à trouver des bons angles sur les lanes si tu as du setup. Donc Seth, Leona ou Alistar, ce sont des picks qui fonctionnent bien avec Gwen Jungle, et on comprend pourquoi les Rogue Warriors sont partis vers ça. Tout à fait, on revoit quelques moves face à Aegil. Le match était vraiment... Je veux dire qu'il était cool, parce que oui, c'était divertissant à regarder, ce genre de rencontre, c'est toujours un peu... De toute façon, AEG, c'est toujours divertissant, on va pas se mentir. Okay. Donc forcément, et on revoit le trade du Nashor contre le Nexus, qui n'est pas fondamentalement un trade à l'avantage avec le pauvre Hobbs qui s'est foiré et qui depuis se retrouve à chaque fois qu'il y a un replay d'Andy, il y a ce move là et à chaque fois il se fait réafficher, le pauvre. Ouais, et on le reverra sûrement pendant un bon petit moment. Ouais. Bah, au prochain match d'IG, c'est possible qu'on le revoie à nouveau. Mais voilà, les Rogue Warriors avaient réussi à faire tomber les Invictus Gaming, malgré dans cette Game 3 une très très bonne performance de Rookie sur son Ryze, qui n'a pas été suffisante pour pouvoir carry la game à lui seul. Forge avait récupéré pas mal de kills, comme on le voit sur les highlights, pour permettre à ce Sylas de pouvoir tout de même y répondre. Ouais, en effet, Forge fait partie, on va dire, de ces joueurs plutôt stables du côté des Rogue Warriors. C'est pas le joueur qui va se retrouver le plus souvent int, mais c'est vrai que le roster peine. Alors bon, évidemment, en termes de différences individuelles en général face aux équipes plus haut de tableau, mais aussi en termes de capacité de réaction et de regroupement qui se font en général plus rapidement. Et sur cette rencontre face à IG, Rogue Warrior était visiblement très prêt à agir en conséquence. C'était prêt à se regrouper et prêt à fight quand il le devait. Donc ça a fait pencher la balance en leur côté, hein, tout simplement. Ouais, en leur faveur, ils ont réussi à prendre cette victoire. Et il faudra voir exactement s'ils arrivent à continuer sur la même lancée. L'ajout du topside nouveau des rookies et alors ZDZ ou ZDZ. ZDZ, c'est plus marrant à dire. Ouais, c'est plus marrant, et c'est comme ça qu'il la prononce également sur le stream anglais, vu que là c'est prononciation à l'anglaise. On n'a pas la prononciation en mandarin et on ne fera pas l'affront de vous la tenter. Avec Xiao Hao dans la jungle, va falloir que ça aille. Ouais, c'est pas toujours évident. C'est vrai que Rogue Warrior, ils changent énormément leur roster. Mais donc, en face de ces Rogue Warrior, il y a bien évidemment Sunning et le joueur phare. Vous le voyez se frotter les mains, zérotique. On m'a donné l'info dans l'oreille, là, ça me met bien. C'est Wenfeng, tout simplement, qui brille relativement par ses stats. Alors, on l'a connu plus flamboyant que ça, mais disons qu'on n'a pas eu que des matchs faciles du côté des Sunning et que ça reste de très bonnes stats malgré les manche qu'on a pu laisser de temps à autre. Ouais, mais ça reste toujours le carry principal de l'équipe. Si jamais on voit que le début de la partie ne fonctionne pas, c'est on donne toutes les ressources à Wenfeng, on essaye de le faire carry. Et il y a beaucoup de cas où ça fonctionne, mais comme vous pouvez le voir dans la dernière slide qui est donnée, la gold diff à 15 minutes est négative. Ce qui veut dire que sa phase de lane est tout de même à revoir. Ce n'était pas déjà sa force lors de l'année précédente. Mais continue de se faire exposer de ce côté-là, quand Betty joue beaucoup de Varus et de Kalista, ça pourrait être une bonne optique pour les Rogue Warriors. La métabot n'est pas tout à fait pour lui, parce qu'on joue très weak side, et du coup c'est parfois compliqué de se maintenir en termes de CS quand il y a un côté qui décide de jouer le weak side, là où en face tu peux prendre, comme tu l'as dit, des Kalista, des Aphelios, on a vu beaucoup de Raven récemment aussi. C'est vrai. Donc c'est un petit peu compliqué, on va pas se mentir, 558 de gold de retard à 15 minutes, c'est minime.
Ouais, ça va, c'est pas si énorme que ça. Ouais. Mais c'est bien que tu rappelles le Draven, parce que Wanfeng fait partie de ces très très gros joueurs de Draven chinois. Il était au TP Draven avant de devenir pro. Complètement copié-collé de Jackie Love, qui avait dit qu'il était son exemple précédemment. Mais c'est sûr que si on banne le Varus côté Sunning et qu'on force la Kalista de Betty, bah, va y avoir une énorme réponse Draven. Ouais. Et là, il n'y aura pas moins 558 à 15 minutes. Non, clairement pas. Donc, en vrai, j'ai un peu hâte de voir le One Fan Show sur un Draven. Ça pourrait être très intéressant. Ça pourrait aussi booster un petit peu les Sunning dans... Disons qu'ils ont bien performé dernièrement, mais on sent que c'est toujours un petit peu tremblant quand même sur certaines games. C'est pas toujours hyper propre dans l'exécution. Non. Du coup, si on arrivait à se mettre en confiance sur ce match-là face à Rogue Warrior, parce que le reste du programme des Sunning n'est pas forcément clément. Il y a quand même un V5 qui traîne, mais c'est du FPX, il y a du EDG, je crois aussi. Fin de semaine, il y a du JD Gaming. Ouais. Hein, ce sera le dimanche. Au dimanche, vous aurez trois gros matchs, dont ce Sunning JDG qui sera là pour départager normalement au milieu de tableau, vu que les Sunning, après cette victoire, avec cette victoire, ils seront à combien? Ils seront en 6-4, qui les amènerait au même positionnement que les JD Gaming environ. Ouais, donc il pourrait y avoir un head-to-head à jouer sur cette rencontre de ce week-end, mais pour ça, il faut bien évidemment gagner aujourd'hui et gagner proprement aussi, parce que si on gagne en 2-1 en termes de points, on peut passer aussi derrière JD Gaming, ce sera calculé, mais c'est le genre de schéma qui peut arriver aussi. Donc, il va falloir être efficace, être propre du côté des Sunning et transformer ça correctement. Mais ils avaient été plutôt très convaincants face à Top Esports. Face à Top Esports, ils avaient choisi une composition assez spéciale. La Akali Top et le Kha'Zix Jungle étaient là pour aller dive la backlane le plus rapidement possible. Et ça s'est bien passé, notamment grâce à Bin, qui a trouvé des solo kills sur King Tian dès la phase de lane et qui lui a permis de snowball. Donc sur la game 2, ça avait joué full dive. Sur la game 3, on avait eu le droit à un petit Kami Trundle. Ouais. Ce n'est pas le duo qu'on le voit le plus souvent sur le top jungle, mais ça avait bien fonctionné pour les Sunning qui avaient réussi à... C'est pas vraiment un river sweep, mais à retourner le score, à leur avantage dans ce BO3 face à Top Esports. Forcé de reconnaître que King Tian n'était pas dans une super forme, et face à Bin, c'est le genre de choses qui pardonne absolument pas, parce qu'on sait que Bin est monstrueux sur la top lane, pendant que vous le voyez. Nous sommes entrés dans cette draft Rogue Warrior à déjà ban le Xin, la Akali et le Nocturne, pendant que du côté Sunning, on a le Renekton, là le blanc et le Gwen, donc forcément c'est un first pick licide. Je sais pas combien de fois, le pourcentage de first pick licide, mais il doit être monumental. Alors désormais le licide est beaucoup plus vu dans la jungle, vu ses quelques nerfs pour la phase de lane, principalement sur le E. Donc on peut l'attendre dans la jungle, mais il a toujours cette capacité de flexibilité qui fait qu'il va être first pick. J'aime beaucoup le ban Gwen du côté des Sunning, vu qu'on en a parlé, c'était un pick important du côté de Shao. Et Forge avait joué pas mal de Sylas. Il est retiré en first pick sans voir aucun ultime en face. C'est très osé. Alors, il n'y a aucun ultime, mais on annonce quand même relativement un pick Diana à mes yeux du côté de Rogue Warrior. On a ban le Xin, on first pick le Lee Sin. On sait que cette Diana, elle combatte excessivement bien avec le Lee Sin, ou plutôt que le Lee Sin combatte bien avec la Diana. Et du côté Sunning, on va la laisser passer cette Diana. Donc, je pense là que du côté Rogue Warrior, normalement, elle va être sécurisée parce que tu veux pas jouer Diana dans Xin. Non. Et en général, si tu le bannes, c'est que tu veux la sortir. Et en plus de ça, tu l'as dit, le combo avec Lee Sin Lee Sin, même s'il est joué jungle, peut être joué sur les top side. Donc le combo avec Lee Sin, on a vu King Tian notamment faire des rages du dragon qui servaient complètement une attraction lunaire incroyable. Donc pourquoi pas. Et du coup, on va mettre soit. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons une Camille qui a été pris en blind par ZDZ, un pick que Bin a joué, un pick que Bin apprécie tout particulièrement. Donc il doit avoir des counters de disponibles. Le Ziggs va être pris pour aller au bot. Et alors, si Bin, tu fais ça, tu me ferais extrêmement plaisir. Il y a déjà eu deux Fiora de sortie. Hein. Bess en a sorti une et. Je sais plus qui d'autre en a sorti, mais Bess a sorti, gagné avec la sienne, il a détruit la game, très clairement. Ouais. Et en effet, la méta Fiora pourrait revenir et voir Bin dessus, on le sait, il a fait un pentakill sur le champion pendant la finale des Worlds. Et c'est lock la Fiora de Bin. Incroyable, le match vient de prendre une tournure complètement différente. Alors, il a osé prendre Camille en blind contre Bin. Et Bin accepte le 1v1. Oh là là. C'est deux persos qu'il connaît extrêmement bien. Ça fait partie de deux de ses mains. Donc,
il doit connaître le match-up sur le bout des doigts et va pouvoir nous montrer ce qu'une Fiora saison 11 peut faire. Je sais qu'il y a énormément de fans de sa Fiora, mais vraiment énormément. Peut-être autant que de fans de The Shy en 2018, quand il avait sorti, quand il avait obtenu le skin dessus. Ouais, ouais, très clairement. Et pendant que le NASCAD me mentionne que c'est Fearness qui avait sorti la première Fiora, c'est Bless qui avait ensuite pris la deuxième, et Bless a vraiment détruit son match-up dessus. Il a été absolument incroyable, donc vraiment, celle de Bean, normalement, c'est un niveau encore au-dessus. C'est... Ça va être incroyable. On est normalement dans le top des Fiora monde. Il y a pas de voilà. Oui, c'est à peu près ce à quoi on doit s'attendre. Et on parlait avant cette game de la capacité à Bean à aller contre les petites équipes, à aller chercher beaucoup les duels, à aller peut-être pousser un tout petit peu trop loin. Ben là, il a un pick qui est fait littéralement pour ça. Donc soit son équipe est au courant et ils ont confiance en lui pour les matchs contre les bas de tableau, soit on va avoir un Bean qui va nous lâcher son meilleur The Shy. C'est possible, mais face à Angor, je le vois pas faire ça. En tout cas, la phase de ban a continué. Nautilus était supprimé, le Galio également pour éviter le combo avec la Camille. Tout l'engage qui est enlevé. Et Rakan et Alistar, il reste Leona. Voilà. Ouais, là, normalement, du coup, c'est Sunning, on prend Leona. Il n'y a aucun doute. C'est le combo habituel avec Ziggs en plus qu'on essaye de briser. Ziggs fonctionne très très bien quand il est accompagné d'un support qui peut engager à très longue distance pour lui permettre de mettre son poke facilement. Donc, éruption solaire et méga inferno bombe est une base de poke qui est très souvent utilisée, mais ils vont réussir à la briser. On nous montre un set qui pourrait être mid et support, vu le manque de support. Mais pour l'instant, on va nous montrer un Ryze contre Sylas. On a le match-up direct en early game. Si le Sylas récupère un peu de kill en mid-game, ça se complique énormément pour le Ryze. Ouais, tout à fait. Du coup, ça semble confirmer quand même la présence de ce Lee Sin dans la jungle et de ce set en tant que support pour accompagner Forge. Tu parlais d'un support qui peut engage, ça rentre totalement dans les cordes de set, surtout que en général sur la bot lane c'est flash ex-tech et dès que tu l'as de dispo il faut flash, c'est une règle. C'est tellement ça. Last pick jungle, très spécial, ça doit faire très longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de pouvoir en avoir. Ça se fait de plus en plus, sur ce patch 11.13, ça se fait de plus en plus. Mais là, on a tout de même quelque chose d'assez spécial avec Lee Sin first pick, donc le jungler first pick en face, et le jungler qui répond en tout dernier pick. Il nous montre la Sejuani serait bien cette game, vu qu'elle est accompagnée de deux solo laners corps à corps qui pourraient l'aider à stack son passif, mais... On va dire qu'un Trundle sera beaucoup plus utile dans les tout premiers affrontements, dans les 2v2, et même pour la sécurisation d'objectifs, le Trundle pourra bien mieux fonctionner, et c'est un pick surtout que Style of Me a déjà joué. Ouais, c'est un pick sur lequel il est plutôt confortable, et donc les deux drafts sont terminés. J'adore cette Fiora, c'est incroyable. J'aime beaucoup la bot lane Rogue Warrior, quand même, mais la présence de la Fiora de Bean, elle me... Le problème avec ce qu'on voit des deux bot lanes, c'est que, bon, le Ziggs contre Varus, c'est deux lanes qui sont là juste pour pouvoir se neutraliser. Ça va farm pendant très longtemps, ça m'étonnerait qu'il y ait des tentatives de duo kill. On a des supports qui vont pouvoir énormément roam. Ce qui veut dire qu'on a un weak side assumé sur la bot lane pour les deux équipes. Donc ça nous amène au match-up top, Camille contre Fiora, qui est très volatile et sur lequel il va falloir donner de l'attention très vite. Surtout que si ça se passe bien au top pour les Sunning, on peut mettre un peu d'attention également à la mid lane dans un match-up Sylas contre Ryze, qui si les snowball un peu, peut tourner à l'avantage du Sylas. Donc on a un pari à faire du côté des Rogue Warriors, qui est de faire en sorte de bloquer Bean, parce que s'ils ne bloquent pas Bean, ils perdent également leur mid lane, et s'ils perdent également leur mid lane, bah ensuite on a un One Fang qui arrivera juste avec son carquois, ses flèches et son bon farm pour pouvoir asséner le coup fatal. On parlait par contre du fait que Wenfeng soit en général avec un petit reserve de gold sur sa phase de lane. Ça devrait pas s'arranger sur cette lane là parce que Ziggs il va prendre full le push et full la pression normalement. C'est trop fort Ziggs pour ça. Et du côté de Rogue Warrior, du coup je m'attends à ce qu'on joue énormément top. Alors déjà parce qu'il va falloir contrôler la Fiora de Bean, ensuite parce qu'on a une Camille qu'on va éventuellement le faire snowball. Et que en plus de ça, bah, quand tu joues Ziggs, tu over-prio l'Herald. Parce c'est que vrai. Herald into bombe de Ziggs et t'as plus de tour. Et c'est hyper rapide, c'est énormément de gold et ça peut snowball excessivement vite. Donc j'attends du côté de Rogue Warrior que
On a ce plan de jeu qui est relativement simple à mettre en place. Bon, sur le papier. On s'entend. Sur le papier. Mais j'attends à ce qu'on essaie de l'appliquer au mieux. Alors c'est évident que quant à la Fiora de Bean, ça va être difficile. Surtout qu'Angel est sur un pic sur lequel il va pouvoir aussi clutch éventuellement. Son Sylas est plutôt très solide. Il a pas tant d'ulti que ça. Quoique vraiment l'ultimatum avec le clou du spectacle, la méga bombe. Bon, en vrai ça va, il a des ultis qui sont cool, mais il a moins d'ulti Gamebreaker par rapport à ce qu'on voit d'habitude. À part ce clou du spectacle. C'est ça, on va dire que le meilleur est le clou du spectacle, mais qu'à côté de ça, il a pas d'ulti qui lui permet de faire des fights beaucoup plus faciles. Mais il pourrait passer sur le top, utiliser un ultimatum extac également. Il y a quelques petites choses à faire, mais un Sylas pris aussitôt dans tous les cas. Ils ont réussi à adapter leur draft pour pouvoir y répondre. Premier trade à la mid lane sera tout de même à l'avantage de ce Sylas. Étonnamment, il y a une chaîne qui a forcément dû toucher. Et premier passage au top. Voilà, balayage tactique. Pour l'un, c'est pas encore le moment où les deux s'affrontent énormément. Non. Mais au moins, la première information qu'on peut avoir, c'est que le meilleur skin de Fiora est le Fiora à l'épée ascendante. Voilà. Si c'est le skin que Bean prend, c'est le meilleur. Il n'y a pas d'autre question. Ok. Si... Je crois que c'est celui qu'il avait joué aussi pendant les Worlds d'ailleurs. Je me demande s'il était déjà sorti. Ouais, il était déjà sorti, donc c'est possible. Donc, je crois que c'est. Du souvenir que j'en ai, c'est ça en tout cas. Il est pas passé loin d'avoir un skin dessus. Hein. Ouais. Oh là là, pour remplacer le skin de Heidi. Après, la performance de The Shy sur Fiora était incroyable hein, de ces Worlds. Et en 2018. Si vous regardez le skin de Fiora en parlant, sur le skin de The Shy, au moment où il back, il sort l'épée de Riven du sol. Parce que initialement, The Shy était un très très gros joueur de Riven, au point où l'un des combos, enfin le combo le plus compliqué à exécuter sur Riven s'appelle The Shy Combo. C'est vrai. Et ce n'est pas par rapport au fait d'être timide ou quoi que ce soit, c'est le nom du combo qui a été donné par ce monstre mécanique qu'il a créé et qui est tellement difficile à faire. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont donné des noms à des moves, mais c'est vrai que The Shell en fait partie. Et j'espère qu'on reverra Riven dans la méta un jour. Je sais déjà ce que ça va. Ça ravira Gardou, mais un Gardou mureux, c'est toujours un bon moment à passer. Mais en plus, c'est ce que je trouve le champion tellement incroyable à regarder. Il est vraiment incroyable. Et le skin Sentinelle est absolument excellent. Je ne parle pas de skin Sentinelle parce que je n'ai pas pu acheter tous les skins Sentinelles que je voulais. Okay, on se calme, c'est un sujet qui fâche. Moi j'en ai eu un, le skin de Riven, et j'ai enchaîné sur une dizaine de games avec, tellement il était agréable. Celui de Vayne me fait particulièrement baver, il est incroyable. Ah, ils sont incroyables, l'événement de Ruin est vraiment oui, cool. C'est insane. Pour revenir dans cette game, pour redonner un peu de précision, on a tout de même eu un full clear des deux junglers qui ont juste skip les golems chacun de leur côté. Un échange de carapateurs en bonne et due forme sur chacun des côtés. Donc pas encore d'attention particulière qui aura été donnée à l'une des lanes. Mais on voit que sur la mid lane, le Ryze prend un petit avantage de push et arrive à forcer un back du Sylas. Les deux vont s'échanger la téléportation vu que Forge va également être forcé juste après ce gank de Style of Me qui a été vu et prévu même par la ward. Posé par son jungler. Ouais, plutôt tranquille du coup cette phase de jeu côté de Forge. Tu l'as call, hein, mais normalement on a un avantage pour Rai jusqu'à ce que. Simplement, Sylas arrive à snowball. On a l'avantage en termes de push. En plus, ça, on back, on fait l'orbe d'oblivion. Donc, on ne laisse aucune chance à ce Sylas. Donc, ça va pas être une lane drôle pour Angel. Non, en plus l'Orbe d'Oblivion va être vraiment très très fort, que ce soit contre Trundle, Fiora ou Sylas. Dans tous les cas, dans tous les affrontements qu'il aura sur le top side, ça lui permettra d'avoir un avantage considérable. Angel qui est revenu avec sa téléportation alors que Forge n'est pas revenu avec. Donc il avait un petit timing où il pouvait roam, mais malheureusement comme il y a le carapateur top side, c'est difficile. Par contre On, il y a du monde juste derrière, aucune inquiétude au final. Leona est solide sur les appuis. Bah, disons que Leona dans les premiers niveaux c'est assez scandaleux. Enfin, Leona en termes de tankiness en général c'est assez scandaleux, mais particulièrement dans les premiers niveaux. Je pense qu'on voulait simplement contrôler la rivière du côté de Rogue Warrior, aller chercher un petit peu d'informations. Le premier dragon est arrivé, c'est un dragon des vins, et on veut chercher le dive sur One Fang qui, du coup, on a l'information, et plutôt en solitaire, on est loin, il va revenir. Est-ce qu'on va lui poser de la vision du côté de On ou on va se faire catch? Ah ouais, là on va se faire catch du côté. Ouais, et la wave était très très petite et ça permet avec cette information d'avoir un trade agressif sur le top side. Bean qui est en train de construire une wave, une grosse wave qui lui permettrait d'avoir un back très très avantageux. On va prévoir le coup du côté de ZDZ, back TP pour pouvoir un peu contrôler et ne pas permettre à cette Fiora d'avoir un
juste un cheater recall beaucoup trop facile à avoir. Donc back brillance, mais on voit déjà qu'un écart au farm est en train de se créer sur le top side. On rappelle que c'est largement la lane la plus importante dans cette game. Oh oui, très très largement, ça c'est évident. On va également, je pense, trouver le bac du côté de Fur. À moins que ZDZ essaie d'abuser de son timing brilliant. Pendant ça, la voie Style of Me qui va invade, poser un petit peu de vision. Alors, cette pink au milieu de la voie, c'est pas toujours. Ah, au moins, il est sûr d'avoir l'information pendant un petit temps. Et là, c'est tout l'intérêt de la téléportation de ZDZ, c'est qu'il peut réussir à affiner la wave et forcer Bean à devoir le respecter avant de back lui-même et d'avoir son back TP. Ouais. M'étonnerait pas qu'on ait envie de back à 1100 gold pour la Fiora, pour pouvoir avoir le fouet des pics de foire et pouvoir contrôler un peu plus la wave top. Style of Me va être là, mettre un peu de pression. Ça va permettre à Bean de push cette wave, puis de back. Et on verra quel sera le premier item qui est acheté. Tout à fait, pendant ce temps-là, Xiao qui est toujours présent sur le bot side. On qui a pris du push, Wenfeng aussi, on l'a dit, hein, la lane elle est pas simple. On a dû, je sais pas, on va récupérer ce blue wave, je sais pas si c'est qu'on se doute de l'invade au top, mais en tout cas on va aller récupérer ce blue buff, le voler, et en plus de ça, Xiao va pouvoir aller récupérer le sien dans sa propre jungle qui va respawn d'ici peu de temps. Ouais, Style of Me au final dans son invade aura un peu plus perdu. On veut peut-être tenter un dive sur Angel, ce qui me paraît très compliqué. Il est à peine vu. Je ne sais pas, il est vu par cette pink. Mais ça permet au moins au Ryze de rester très avancé sur la lane pour mettre son poke. Vu que le Trundle, on n'était pas sûr à 100% de où il allait se resituer après avoir fait l'invade top. Il aurait toujours pu être au niveau de ses Corbin et tenter un petit sneaky gang de l'autre côté. Ce ne sera pas le cas. Tout à fait, bon, on revient sur ce match-up top. Hein. L'écart en 16 qui continue de se creuser, quasiment 20 CS d'avance pour Bean, c'est assez scandaleux, hein, parce qu'il vraiment, c'est juste à de la gestion de wave. Et à la gestion de wave, il a réussi à créer un très très bel écart. Timing 8 minutes, tu l'avais prévu. Timing très très important pour un Ziggs qui a fait le déplacement dès le départ. Wenfeng est là également, et les deux supports qui ont tellement rarement permis à leurs AD Carry d'être niveau 6 à ce regroupement. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus habituel, donc c'est important de le noter. On a une chaîne de corruption, on a une méga inferno bombe, on a surtout une contestation des Sunning qui rentrent dans cette rivière. Le héros de la faille est déjà à 3000 HP, un coup dans l'œil, 1500 HP. On a Angel qui n'a plus beaucoup de mana mais qui a volé un clou du spectacle. On va se retourner sur On qui est complètement isolé et les Sunning auront juste été attentistes devant les Rogue Warriors qui récupèrent le premier objectif neutre de la partie, récupèrent 2 kills et un flash d'un des carry. Bon, les Sunning étaient là, mais ils ont revêtu leur meilleur collier de fleurs pour être des touristes. C'est vrai qu'on n'a pas osé y aller hein, pour les Sunning, et malheureusement, ça va être un petit peu compliqué. Vin qui va être forcé de reculer ici sur la présence de Xiao Wao. Est-ce qu'on va chercher la parade qui est bien évitée du côté de ZDZ? Ça force un flash également sur cette Fiora. Ah, il a bien stun en diagonale. C'est bien joué hein, pour être sûr de ne pas se faire stun. On a le héros de la faille, mais on ne va pas l'utiliser au top. On va l'utiliser sur la lane du Ziggs ou alors sur la mid lane en prévoyant le roam du Ziggs pour pouvoir placer son C4. Donc c'était juste un petit passage au top pour être sûr de pouvoir crash la wave. Et en plus de ça, on est récompensé par un flash de Bean. Donc on revoit là, je pense que Style of Me l'essaie, mais non, ça passe pas. Smite, ouais. La méga bombe qui est bien posée du côté de Betty sur le bon timing. Et derrière, on réengage avec le portail transdimensionnel. Et là, Wenfeng il a pas le choix, hein, sinon il est mort. Donc, C'est un bon flash. Qui arrive donc à s'en sortir. L'écart au gold a commencé à être à l'avantage des Rogue Warriors tout de même. 1000 gold d'avance, un héros de la faille en poche qui pourrait leur permettre d'aller encore plus loin. Comme prévu, les deux supports bougent beaucoup, particulièrement On, qui aide beaucoup son mid laner dans cette phase de lane. On sait que c'est compliqué pour un Sylas, et quand on voit l'écart au farm, on peut dire que le travail a bien été fait pour l'instant par Angel et On. Ouais, très clairement, Angel il s'en sort très très bien. Style of Me qui continue aussi d'essayer de subtiliser des golds à son adversaire. Les corbans qui vont être récupérés ici. On a posé une belle pink dans le push qui va être très utile par la suite. Prochain dragon dans 45 secondes déjà. Donc, forcément, ces informations dans la jungle côté Blue Side vont être importantes pour le gérer. On est en train de récupérer la pression en plus de ça du côté de Wenfeng puisque Betty est sur un timing back. Mais il ne faut pas oublier la présence de cet Herald. Elle est si bien placée cette wave. ZDZ qui est obligé de s'avancer.
pour pouvoir la contester. Et Bean peut l'agresser à n'importe quel moment. Il n'a pas le droit de toucher cette wave. Il n'a pas le droit. Voilà, la wave est un peu trop grosse. Il a réussi au final à l'affiner. Oh, c'était bizarre cette interaction. Je n'ai pas vu si le grappin a été passé ou pas. Ou alors si c'était genre le Q-spell amélioré. En tout cas, on n'a pas voulu re-engage du côté de la Camille. On va pouvoir continuer d'avoir cet avantage en farm pour Bean. Et on verra ce qu'il fera en termes de stuff. Actuellement sur Fura, c'est Eviscerateur Sterak qui est très très prisé. Oh, Eviscerateur Hydrovoras, my bad. Gardou en parlait très très bien hier. C'est hier, je crois, qu'il en parlait. Ou c'était ce week-end, mais il s'est exprimé très très bien sur le sujet, sur l'importance des hydres. Pendant ce temps, la Zidizi est à nouveau dans son match face à Bean. C'est plutôt correct. Je pensais vraiment que Zidizi serait mécanique diff, pour être honnête. Et forcément, on connaît que ça va. Oh, par contre, la tour à la mid-lane, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, pas besoin de héros de la faille. Juste un passage de Ziggs et la première tour va être séparée en 4. Mais on aura tout de même réussi à appuyer sur la pression qui a été mise par le Ryze au début de partie. Et la cover récurrente de Chuchu et de son Lee Sin pour pouvoir assurer la première tour de la partie très très tôt. 12 minutes, on a déjà ouvert la T1000. Sans Herald en plus, c'est très belle rotation des Rogue Warriors là-dessus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir reposer cet Herald en plus, redonner une tourelle à ce Ziggs en plus normalement. À moins que Xiao Hao via... pour aider peut-être son top laner. Vu le déplacement, je m'attendais à ce qu'il court à la top lane pour poser un héros de la faille. Mais on avait aussi une possibilité que Bean cherche une agression sur ce timing. Mais on va le poser cette heure. Alors j'aime pas trop comment il est posé. En plus on va back. On a la TP. La téléportation du Ziggs. On a la TP sur Betty. Cette rotation elle est très très bien du côté de Rogue Warrior. Elle est hyper propre. C'est excellent et on va pas pouvoir répondre pour les Sunning. On va prendre un sacré coup dans la tour. Il reste encore 5 plaques. Donc la tour ne tombera pas. On a même Style of Me qui essaye de mettre quelques dégâts. Et avec le smite, ça va être terminé. On va tenter une agression sûrement pour les Sunning. On est à 5. On a toujours pas le niveau 6 sur Un par contre. Les deux supports qui se sont mis bien en retard avec beaucoup de roam. Mais désormais, c'est la Leona qui est derrière en XP. A savoir que les gold des plates ont été uniquement sur Xiao Hao, puisque Ziggs n'a pas eu le temps de toucher cette tour, donc il n'aura pas pu récupérer. C'est en ça que Style of Me a fait un très très bon zoning, c'est qu'il a empêché le Ziggs de s'avancer et d'aller récupérer ne serait-ce qu'une auto pour pouvoir toucher les gold. C'est tout sur le Lee Sin, quoi. Donc là, il a terminé son premier mythique. Mais sur la même rotation, il faut compter les deux plaques qui viennent d'être prises par cette Camille. Donc ça peut tout de même une rotation qui les met très très bien. Faire attention pour One Thing, ne pas se faire un engage. Donc ça c'était juste une bombe. Ah ouais, Ziggs en vrai en termes de dégâts c'est débile. Oh la méga bombe infernale. One Thing survit là-dessus, le flash de Betty qui est absolument parfait. QQ forcément qui va re-engage à nouveau, plus de flash. Et en fait tu l'as récupéré, et bien flash encore. Heureusement que les sidesteps étaient bons, parce qu'il y avait tout de même beaucoup qui ont été lancés dessus. Par contre, ça veut dire que la tour peut être tombée. On préfère prendre un avantage de tempo vu qu'il n'y a plus de plaque et ce n'est plus la première tour de la partie. Donc on va profiter de cet avantage pour pouvoir creuser l'écart avec son adversaire. C'est une wave en moins. Ouais, ça crée un... Ça conduit de creuser l'écart en termes de CS entre les deux AD carries, qui a déjà quasiment 15 CS. Il n'y a pas de grappin. Parfait, dimensionnel, il est très bien zidizik et tout. C'est l'éruption solaire qui ne va pas toucher. Par contre, Xiao Hao qui est là, force, qui fait le décalage. Et ça va... Ça va cancel ce regroupement Sonic était bien pensé pourtant. Ouais, bien pensé, mal exécuté. Bien pensé. C'est Style of Me qui a la soumission, l'éruption solaire qui ne passe pas, il n'y avait pas de grappin sur une Camille. Donc on aurait pu la dive. Deuxième round. Il va être vu. Il n'était pas vu, il a juste été prévu. Ah, et le pilar était parfait, très bien. Ah, le très très bon pilar en effet de Salune qui force ce flash parce qu'on était bloqué entre le mur et le pilier. On ne pouvait pas passer tout simplement, on était obligé de flash au travers. Bin qui va donc récupérer une tour ici, qui va se mettre bien, qui va continuer de creuser l'écart en termes de CS. Il y a 40 CS entre les deux top laners, c'est monstrueux. Mais de l'autre côté, on a Forge qui continue de prendre de l'avance, on a le Ziggs qui continue d'en prendre aussi. Il dit là, il y a un maximum de creep en plus. Forge, il a laissé tomber la tour toute seule en laissant mourir un maximum de sbires. Le deuxième Herald de cette partie qui va donc directement
être fait par Xiao Hao. En même temps, il n'y a plus de T1 mid, il n'y a plus de T1 top. C'est compliqué là pour les Sonics d'aller s'avancer dans leur jungle. Alors, on va juste prendre les Corbin pour Style of Me. Et on ne va pas contester. On va laisser le héros de la faille au Lee Sin. Back presque général de la part des Sonics qui prépare le prochain dragon qui arrive d'ici une trentaine de secondes. Il serait temps de contester cet objectif si on ne veut pas être dans la mise dans 5 minutes pour une âme potentielle pour les Rogue Warriors. Alors, en effet, est-ce qu'on va récupérer deux dragons déjà hein, du côté de Rogue Warriors? Le premier a été fait avant l'Hérald et le deuxième a été fait sur la chute de la T1 mid. Donc on a bien exploité les tamis qu'on avait du côté des Rogue Warriors. Et ça va mettre un petit peu la pression au Sonic. Après, la Sonic, ils ont bien le contrôle de la rivière, on récupère un maximum de vision. Oh là là. On a pris cette T1 bot, Zidizi va pas trop pouvoir s'avancer, et du coup, réponse instantanée du côté des Rogue Warriors, c'est cette Hérald qui est posée mine, on est obligé de se replier. L'Hérald qui va probablement aller du coup chercher cette charge sur la T2, bim. Et ça va leur permettre d'avoir accès à la rivière. Immédiatement, on est déjà en position vers le bot side pour les Sunning, mais nous ne sommes qu'un groupe de 3. On est séparés pour les Sunning et les Rogue Warriors pourraient tenter une engage d'un côté pour aller très très vite. Le long de sonore de Lee Sin va toucher, mais ils ont laissé le temps aux Sunning de pouvoir se regrouper. On est désormais sur un groupe de 5 sur une ligne très très longue, mais au moins on est un peu plus regroupé qu'avant. ZDZ va reculer et pour l'instant les Rogue Warriors se positionnent pour pouvoir concéder l'objectif. On va juste tenter un steal du côté de ce Lee Sin qui est zoné par Bin, qui est zoné par Style of Me également. La petite tentative, le smite est bon pour les Rogue Warriors. C'est un vol, tentative sur One Fang qui n'a plus aucun summoner, c'est un nouveau kill pour le Lee Sin. Dans la front lane, on a tout de même Style of Me qui assure, Bin également. On se met tous dans l'ultime de la Fiora pour Regen, mais Forge continue de mettre des dégâts. Les rites des arcanes qui continuent de faire beaucoup trop mal aux Sonics qui vont perdre un nouveau membre. Transfert arcanique qui va être utilisé mais qui n'est pas bien placé, qui ne permettra pas aux Rogue Warriors de continuer le fight. Ils terminent tout de même avec la victoire pour l'objectif neutre et un 2 pour 2. Ouais, c'est une nouvelle fois un move très très propre chez WoW, très précis sur le smite. Et derrière, le Ziggs et le Ras qui DPS tranquillement, ça a bien zoné les Sunning. Style of Me qui a pris un gros chunk à un moment, il pouvait plus difficilement s'avancer. Le pilier est un tout petit peu trop tôt du côté de Style of Me et c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à le steal. Et derrière la méga bombe infernale de One Fang, il n'a rien pu faire. Il s'est fait all-in par un Lee Sin et derrière il a pris la méga bombe. Là c'est dommage, hein. Là on avait l'avantage pour les Sunning en termes de kill, mais On va se faire avoir sur la re-engage. On tanque suffisamment pour ZDZ pour pouvoir s'en sortir. Un shutdown aura tout de même été donné à un Sylas. Donc ça donne un peu de gold à Angel qui en avait bien besoin. Mais dans 3 minutes 30, ça va être difficile. Il va être obligé de gagner son dragon. Ouais, ça va être très très dur. Il y a aussi un kill de récupérer par cette Camille qui subissait énormément et c'est lui qui va continuer de subir. Oh, non, le grappin, oh là là. Allez Angel, c'est l'occasion. On n'a pas encore le détournement. Et On, qui n'y a pas cru, n'avait pas suivi initialement le move. Ce qui va permettre un GDG. C'est exactement ça. Il a vraiment cru qu'il a touché son grappin. Présomption de skill. Et il n'est pas allé au bout des choses, c'est dommage. On a tout de même réussi à prendre la vision sur le topside, préparer un baron Nashor qui arrive d'ici 30 secondes. Mais bon, Sunning ne sont pas en position de pouvoir le démarrer au spawn. Et du côté de Varus, crochet du serpent first. Contre 7, contre Lee Sin qui va avoir un stack très bientôt. Donc il part sur couperet noir en second. C'est l'un des items létalité les moins chers et il a sûrement envie d'avoir une utilité dès maintenant. On peut comprendre l'idée derrière. Ouais, bien sûr. Mais voilà, il va falloir la Muramana, il va falloir la Draktar ou la griffe du rôdeur pour pouvoir vraiment avoir une grande utilité. Ouais, tout à fait, pendant ce temps-là, bon, petit tour des stuffs, il y a le gel éternel sur les deux midlaners, le profondeur qui est arrivé sur cette Camille. Le Liandry sur le Ziggs également, donc voilà, on est sur les premiers Ziggs qui arrivent, ça fait excessivement mal, mais du coup, la différence entre les deux allées carrées, on va dire, elle s'accentue, parce qu'il n'y a pas de mythique sur Varus, parce que du coup, le Morello qui est arrivé en plus de ça sur le Ziggs, il a forcément plus de value avec la présence déjà de ce...
Oh, la... c'était bien joué de la part de Ziggs. On monte dans le replay, l'une des grandes forces de Ziggs. Tu peux forcément défendre une lane, voire deux lanes à la fois, des push le mid et ulti le top. Et l'objectif de la phase de jeu précédente des Sunning était d'ouvrir la tour à la top lane pour commencer à avoir une capacité de speed push. Et bah, elle a été deny par Betty et par son Ziggs. Il fallait de Revoras qui a fait son apparition sur, sur la Fiora de Bean. Forge qui va récupérer ici son blue buff. On va probablement mettre ce Ryze en split push quand même. Il a un orbe de l'oubli depuis longtemps, donc ouais. Que ce soit contre Bean ou contre Angel, il peut réussir à s'en sortir. La seule chose, c'est que contre Bean, il faut faire attention au moment où tu utilises ta cage. Si tu l'utilises au moment de la riposte, ça peut très très mal se passer, ouais. Mais il faudrait que Bean soit extrêmement juste, parce que c'est tout de même instantané. Après le E, ça reste difficile. Oui, c'est vrai que là, ça peut être très très difficile de contrer ça, mais... C'est, disons, envisageable au vu du skill de Bean sur le champion pendant ce temps-là. On essaie de trouver peut-être une situation dans la rivière, parce que le dragon est dans 30 secondes désormais. On a récupéré la rage du dragon pour Angel. Mais là, du côté de Bean, on s'avance beaucoup pour pouvoir aller jouer le split push. En termes de ward pour TP, il n'en a pas. Et il va préférer back pour venir contester l'objectif neutre. Qu'est-ce qu'il a comme item en plus ? Il y a des sandales de Mercure, donc il va pouvoir résister un peu plus aux dégâts de Ziggs et de Ryze. Mais ils vont devoir engager très très vite les Sunning, vu que le dragon est apparu. Le dragon est là, Xiaowao va probablement le commencer. Voilà, c'est fait, le pilier qui vient de disparaître. Et le Ziggs qui va être en les flèches de Varus qui ne touchent pas pour l'instant, alors que les bombes de Ziggs touchent. Bean qui continue d'essayer de mettre du rythme. L'éruption solaire malheureusement ne touchera personne et fera apparaître un pilier en son milieu. Le smite, oh, le smite était mauvais des deux côtés. Il restait un HP et l'arme infernale est pour un Ziggs. Par contre, on a Angel qui fait un bon fight sur le côté pendant que Wanfeng essaie de mettre des dégâts. Mais on se fait flash in par une Camille et c'en est terminé. Il ne reste que Bean. Bean en 3v1. Bean qui va tomber et c'est un ace plus une âme infernale pour les Rogue Warriors, qui ont désormais 5000 gold d'avance et qui vont peut-être faire tomber les Sunning dans cette première game. Ah là là, le smite qui laisse, enfin les smite d'ailleurs, qui laisse ce dragon à 1 HP. Est-ce que ce serait pas une bombe? Ah, c'est une auto de Xiaowao qui le prend. C'est honteux. Ah ouais, c'est terrible ce move. Et derrière là, mon Xiaowao tombe, la méga bombe est bien. Et Zidizi qui va chercher Wanfeng directement. Wanfeng était un petit peu laissé derrière, seul. En fait, il était laissé derrière parce que c'est ce qu'il veut. Betty est pas mort là-dessus. Non, Betty est pas mort. Ça aussi c'est honteux. Ça aussi c'est honteux. Le baron qui est fait dans la foulée. Les rotations Rogue Warrior qui sont très travaillées sur ce match et qui passent complètement timing back pour tout le monde, bien évidemment. Et là on va pouvoir probablement installer un 1-3 du côté des Rogue Warrior. Ouais, parce que là maintenant cette Camille elle est en 3-0-3. Elle a une intimidation qui va peut-être lui permettre de pouvoir prendre le 1v1 face à Bean, face à cette Fiora. Et le Ryze ne va pas être arrêté par un Sylas qui n'a pas encore complété son deuxième item. Je commence à regretter de ne pas avoir parié la cote. Ah bah là, la cote, elle devait être pas mal. Là, elle est très très propre. Mais bon, ce n'est pas fini pour les Sunning. On a toujours l'électron libre Bean sur cette Fiora. On a un Sylas également. Donc rien n'est fait encore, hein, bien sûr. Ça laisse aussi un dragon ancestral qui arrive excessivement tôt dans cette partie. Et étant donné que 5000 gold de retard, disons que ça reste ok. C'est... Ça reste remontable si on trouve des bonnes phases de jeu du côté. Ouais, et ce genre de bonnes phases de jeu. Oh, attention, en fait, Bean qui a failli tuer Chuchu, mais qui s'est tout de même fait catch. Et sur un timing Baron Nashor, il n'y a plus de bonnes phases de jeu ou quoi que ce soit. C'est un 4v5 contre un Ziggs. Donc la base va être ouverte. Ouais, la base est complètement ouverte. On va s'avancer avec ce sbire canon en plus de ça. On va absolument pas pouvoir défendre cette T3, on va absolument pas pouvoir défendre cet inhibiteur du côté des Sunning. Les Megasbires qui vont donc déjà faire leur entrée. Est-ce qu'on veut abuser du timing là? On peut continuer. 15 secondes en termes de dépush, il n'y a pas grand chose du tout. Alors que Betty peut continuer d'auto-attaque les tours. Forge met également des dégâts. Et c'est une T4 qui vient de tomber. Okay, et on a Bean qui apparaît d'ici 7 secondes. Du coup, on commence à reculer pour les Rogue Warriors. Il reste un grappin sur cette Camille qui va rejoindre son équipe, qui va rejoindre les siens pour reculer. Bean. Ping fort qu'il a envie de se battre. Il a une ward potentielle, mais ce serait du suicide
de téléporter dessus, surtout sans téléportation. Donc, par contre, c'est les Rogue Warriors qui vont continuer, oh, qui vont tenter de catch Angel. ZTZ ne va pas toucher son grappin. Par contre, on a Lee Sin qui va aller au corps à corps. L'Extac Ultimatum qui aurait été utilisé à Megan Cannon Bomb va être sur 4 personnes. Et les Sunning perdent un nouveau membre sans faire aucun kill. La chaîne de corruption ne fera que ralentir les ardeurs Rogue Warriors avant que ces derniers prennent la T3 à la mid lane. S'occupe également de l'inhibiteur. Et il n'y a que 2 minutes, il y avait 5000 gold d'écart. Désormais, il y en a 10. Oh là là, les rotations, le catch, vraiment, c'est propre en fait. Et j'en attendais vraiment pas autant du côté des Rogue Warriors, mais force est de reconnaître que c'est propre. C'est des erreurs de positionnement sur les Sunning qui veulent jouer trop haut, qui se font punir. Et contre un Ziggs, ça ne pardonne pas. On comprend pourquoi Ziggs est très priorisé dans les drafts actuels. Ben Ziggs, next game. Bon, le Baron Asher, apparaît tout de suite, mais par contre il a fade hein, sur les Rogue Warriors, donc on va jouer un petit peu plus safe, reprendre le contrôle en termes de vision dans la jungle. Il reste un dernier side à faire tomber et Betty et Forge ont très clairement l'intention de s'en occuper. En plus de ça, maintenant les T2 qui va aller dans le... Angel qui va se faire cage, qui va se faire gel éternel en plus. C'était obligé. Oh, le Pustimo, il est horrible en plus. C'était obligé qu'ils aillent sur le top side. C'est la dernière lane qui les intéresse. Et Angel, comme à la mid lane, a voulu la prendre un peu plus haute pour gagner du temps, mais il va en faire perdre encore plus. Allez, on fait sauter la T2, on fait sauter la T3. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Tentative d'éruption solaire de chaîne de corruption. Comme vous pouvez le voir, les dégâts sont colossaux. Mais du côté de Rogue Warriors, bien évidemment, pas de ceux qui ont engage. Et les Sunning ne vont que se faire exécuter dans leur propre base. Mega Inferno Bomb, Ultimate Mextech. Il ne reste plus rien des Lionceaux dans cette première game. Les trois inhibiteurs sont down. Toutes les tours ont été prises. On va même tenter un dive fontaine sur un Angel. Le gel éternel aura été utilisé, mais ils arriveront à s'en sortir. Tentative de Angel qui gagne beaucoup de temps et qui prendra un kill. C'est tout à son honneur. Mais l'équipe va tout de même tomber dans cette première game face aux Rogue Warriors. C'est quoi ce dive fontaine? Il restait une T4. Bon, eh bien, grosse game du côté des Rogue Warriors. On est un peu forcé de le reconnaître. Ouais. Grosse game, ouais. Ouais, très grosse game. Oh non, je suis triste pour toi. Très grosse game. Je suis triste pour toi. En vrai, j'avais trop envie de voir la Fiora et tout bien fonctionner. Ouais. J'avais envie de voir Bi détruire cette game et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ah non. Il y a eu... différence à la mid lane, la T1 qui tombe trop vite, des contestations d'objectifs qui étaient obligatoires, ce premier héros de la faille notamment, qui se sont très mal passés et les Rogue Warriors ont littéralement gagné tous les objectifs de la carte, toutes les tours, et les Sunning n'ont été qu'attentistes. C'est 2 tours à 11, 4 dragons à 0, 2 héros à 0, 1 baron à 0. Le résultat est complètement logique. Ouais, résultat cool de source. En effet, je sais pas trop exactement, alors certes on a eu quelques positionnements pas incroyable du côté d'Angel, mais finalement c'est arrivé quand même assez tard dans la game, ces positionnements qui étaient punis. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de chercher le snowball du côté de Bin? Est-ce qu'il y avait... Enfin, Bin et de Style of Me du coup. Est-ce que... Ah, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y avait un vertical jungling à trouver ou ce genre de choses? J'avoue que je ne sais pas du tout. Je tiens, voilà, juste à dire que le first pick Sylas pour le deny à Forge... Bah, n'a pas fonctionné. On a un Ryze qui domine la phase de lane, qui domine le push, qui est meilleur dans les tout premiers regroupements. Et ça snowball beaucoup trop fort. Parce qu'à partir du moment où tu n'as plus de tour à la mid lane, tu peux beaucoup moins jouer le side. Parce que tu peux avoir des rotations des Rogue Warriors qui peuvent aller beaucoup plus surtout vite. Surtout avec le portail transdimensionnel. C'est ça. Donc, ça a été. Le Sylas était trop tôt. On a compris qu'il voulait le deny à Forge. Mauvais choix de ce côté. La réponse Ziggs, Ovarus, était préparé pour Betty et on a eu une phase de lane qui s'est annulée où Wenfeng n'a pas réussi à prendre davantage direct en lane. Dans les regroupements, les Rogue Warriors ont gagné, ce qui fait que mid lane a perdu, bot lane a perdu, et même si la top lane avait 30 creeps d'avance, bah c'est le fameux top laner en solo queue qui lâche dans le chat, c'est bon, j'ai 30 creeps d'avance 0-0 ouais, et que le reste de la map elle est en feu. Et quand même ZDZ a, genre, je trouve, pour moi il aurait vraiment pu se faire skill gap, et ouais. Je trouve qu'il a joué de manière plutôt
safe. Il a accepté le retard en CS, il n'a pas cherché à prendre de risques, il a concédé tout simplement. Et en fait, du coup, cette Fiora qui, malgré ses 36 d'avance, n'arrive pas à snowball, n'arrive pas à trouver de kill, bah lui, Zidizi, il a réussi à trouver son utile en teamfight derrière. Et c'est un petit peu compliqué. C'est toujours plus facile de jouer une Camille en teamfight qu'une Fiora. Ah, hein. Ça, c'est sûr. C'est ce pourquoi un pentakill de Fiora dans un teamfight est complètement exceptionnel. Ouais. Donc, il n'a pas réussi à refaire le même miracle qu'il avait fait en finale des championnats du monde. Mais bon, il reste deux games. Ouais. On avait également perdu la première contre Top eSport. Ouais, c'est vrai. Les deux logos sont rouges. Voilà, il y a tellement de similitudes entre les deux équipes qu'on peut se dire que les deux suivantes sont pour Suning. Très rapidement, avant de partir en pause, est-ce que tu serais capable quand même de décerner un MVP côté Rogue Warrior ? Non, pas vraiment. Non, en vrai, c'est pour... Allez, j'y mettrais plutôt Forge. Okay. Je mettrais plutôt Forge. Parce qu'il y a quand même beaucoup qui s'est lu sur sa lane. Pas mal de catchs qui ont été faits grâce au portail transdimensionnel et à ses cages. Donc, je verrai au niveau de Forge. Ça me va, Forge, MVP, ça me va complètement. Et donc, on va arrêter les souffrances de Zerotic pour l'instant. On va partir pour une courte pause. Surtout, ne bougez pas parce que bien évidemment, nous sommes en LPL et c'est donc un BO3. On revient pour la prochaine game. A tout de suite. Panny de Frost qui me rejoint pour cette Game 2 après une très courte interview de Betty qui s'exprimait sur le fait que simplement la clé de ce match c'était dans la jungle et qu'il fallait bien évidemment push énormément les lanes pour offrir un maximum de pression, enfin un maximum d'espace à son jungler et faire ressentir un maximum de pression à l'adversaire. Chose qui a été plutôt tenue avec ce Ryze, avec ce Zig. C'est vrai qu'on est sur des gros pushers. Donc. Pari tenu pour la game 1, est-ce que selon toi ils sont capables de tenir le pari sur la game 2? C'est chaud, ça serait quand même quelque chose d'incroyable, ça mettrait au fond notre copain qui est en régie évidemment, mais bien le sûr le 2-0 est envisageable, on va pas se projeter là-dessus parce que je pense que quand même les Suning ont largement de quoi faire un petit reverse sur les Rogue Warriors. C'est la surprise de la première game, c'est vrai qu'ils ont tenté des choses, Zero l'a dit, c'est vrai qu'il y a cette capacité aussi à aller chercher, donc le Ryze qui s'est bien exprimé aussi, le Sylas moins, c'est vrai qu'on... Voilà, c'est vrai que ce first pick Sylas, disons que Sylas est très rarement ben pick pour ce genre de raison là, c'est que Sylas c'est fragile dans les premiers niveaux, ça n'a pas forcément de lane free, et du coup le MVP ira à Zidizi. Il n'est pas mort une seule fois face à la Fiora de Bean, ça semble plutôt une bonne chose. Après, c'est plutôt correct. On a décidé de mettre en valeur ça. Il a été relativement présent, c'est quasiment 65% de kill participation. C'est correct. On décide d'aller chercher les bons ultis pour lock les bonnes cibles. On a décidé d'aller chercher. C'est vrai que sur ce fight-là, regardez-le bien. Il va aller... c'est pas tout de suite. Non, c'est sur le fight d'après où il va chercher One Fang, mais là, le bon ulti pour cancel. Voilà, c'est sur ce fight-là où il va aller chercher One Fang. Ouais. Là, à l'heure actuelle, il est dans le pit et il va trouver un grappin. Hop, flash, bim. C'est un peu limite sur Betty, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'il va mourir en fait et il meurt pas. Betty, il meurt pas, je sais pas grâce à quoi. C'est scripté, mais... là. Non, mais en effet, grosse game du côté des Rogue War, du côté des Suning, on s'est laissé un petit peu avoir. Alors, on s'est laissé avoir. Il y a eu. Mais les erreurs, je trouve, sont arrivées relativement tard quand même côté Suning. C'est-à-dire que c'était plus des erreurs parce qu'on voulait essayer d'aller chercher quelque chose sur la map parce qu'on était déjà trop perdant. Je trouve pas que fondamentalement. Alors, il y a eu quelques imprécisions sur les objectifs neutres quand même. Mais au global, force est de reconnaître que ces Rogue Warriors ont bien joué. Que c'était plutôt très clean. On sait qu'ils sont capables de faire des grosses choses face à des grosses équipes du côté des Rogue Warriors. Et aujourd'hui, clairement, ils sont en rendez-vous. Maintenant, il faut être au rendez-vous sur la Game 2. Ouais, c'est tout l'aspect délicat pour des équipes comme ça de prouver sur finalement un BO3. Parce que, ok, les BO1, il y a toujours possibilité.
Zéro l'a dit, hein, derrière c'est une petite équipe, mais une équipe capable, une fois qu'elle est devant, bah, de s'exprimer quand même, de faire jouer sa compo et de gagner. Et c'est vrai que c'était compliqué, hein. On sort cette Camille, réponse Fiora, ça fait quand même peur, c'est Bin en face. Derrière, on avait joué donc ce fameux Ziggs du côté de la bot lane. Ça passe, c'est vrai que bon, Camille, Ultimate Tech peut-être pour justement un peu jouer en zone. C'est un speed pusher, mais il peut apporter aussi le regroupement en fight. Donc on verra ça. En tout cas, Rogue Warrior cette fois-ci évoluera en red side. Donc c'est Sunning qui a choisi du coup le blue side en perdant. Je ne sais plus si c'est eux qui choisissent en deuxième ou si c'est les perdants qui choisissent le side. Je vais te dire ça. Non, c'est juste c'est Rogue Warrior a choisi le premier side et du coup là c'est à Sunning, indépendamment de leur win ou de leur lose. Savoir que Sunning se débrouille bien mieux en termes de win rate sur le blue side. Je crois que l'avantage first pick leur sied plus que le red side, et on va une nouvelle fois sans grande surprise first pick Lee Sin. Ouais, des first pick de l'autre côté, apparemment on continue dans la provocation, la Camille qui fonctionne. Ah ouais, ça provoque dur, ça provoque dur. En reprise, hein, tout de suite la Camille en blind toujours. Est-ce qu'on prendrait pas ce Ziggs aussi, parce que le Ziggs c'est pas sûr qu'il traverse la phase de ban. Après peut-être qu'on attend aussi la décarry adverse, mais non, ce Ziggs il va être lock. Je pense aussi que du côté des Rogue Warriors, on va essayer de sécuriser un support plus tôt pour assurer le confort de ce Ziggs, peu importe la réponse qu'il y aura en face. Le Thresh est disponible par contre du côté des Sunning et j'attendrai totalement assez facilement un petit Aphelios Thresh ou Aphelios Jinx. Ouais. Ah, ça partirait sur une Kalista. Moi je pensais peut-être un Weakside, ouais, quelque chose en tout cas de plus sécurisant face à ce Ziggs. Qui sera problématique, bon, à assumer des fois avec Nautilus, Leona, quelque chose qui lock assez facilement. Et justement, on va prendre le support assez tôt, peut-être le Nautilus, et ensuite commencer à target les supports pour empêcher cette duo lane d'être un petit peu trop forte. Ah, carrément. Ouais, le combo Rakan Kalista, on le voit énormément en ce moment. Parce que Rakan a énormément facilité à aller dans la mêlée, mais beaucoup plus à en ressortir, et c'est vrai que la lance du destin est intéressante pour ça. On hésite finalement avec ce Nautilus et c'est lui qui sera lock, du lock d'ailleurs pour dans cette composition zoning, hein, avec la grenade ASM, etc. On veut aller chercher une cible, elle précisément, et la détruire. Ouais. Tarek qui sera bientôt un petit peu up normalement. Pic pas assez exploité. La Leona, ça semble la combo avec plus Ziggs, facile. Ouais. Quoique, c'est vrai que. Oh, le 7 encore. Le 7 est toujours flexible. Oui, mid lane, parce que évidemment, cette Camille, elle ira probablement nulle part autre que sur le top side. Donc. Très bon flex. Ouais. Donc, voilà. C'était support. Ça allait bien à QQ en vrai. Mais on veut laisser planer le doute du côté des Rogue Warriors. Il y a à nouveau eu l'hésitation pour cette Diana. Mais voilà, on a des picks plus importants que cette Diana à sécuriser ailleurs sur la map. Donc on ne la prendra pas tout de suite. On va supprimer le Jax. Et bien joué, il n'a pas été là. Mais oui, parce que Fiora et Jax, c'est un peu les armes possibles pour répondre. Ah, j'aime bien. Et ça se trouve, alors je ne sais pas si on va ban la Fiora ou alors si c'est full protection Fiora du top side. Ouais. Et nous inquiète. Pas tant que ça, il y a encore des choses à supprimer quand même. Ce Nocturne, il est toujours disponible. Ouais, il y a Viego qui n'est pas ban, personne le prend également. Alors, Viego, peut-être que dans la composition, Sunning, il peut fit un petit peu plus. On va supprimer la Diana du côté des Sunning. On est la pas, Diana Camille s'est énervée avec un set en plus hein, pour remettre du setup juste avant. Diana qui est toujours problématique, on en parlait un petit peu. Malgré le fait que évidemment il y a Xin qui est une priorité de ban, Akali qui sera nerf prochainement aussi sur le 14. Ouais. Jax, comme tu disais, est-ce qu'on continue à enlever sur la top lane ou est-ce qu'on se projette sur un ban mid lane éventuellement? Ouais, ça sera finalement. Oh, le TF de pour Angel. Éviter. Ouais. En vrai, j'aime bien parce que Angel a un bon TF et surtout qu'on est sur cette volonté de vouloir décaler pour aider les sides, faire snowball cette Kalista. Et c'est vrai que bah du coup, le TF est assez bon à ça, donc on va le retirer du côté des Rogue Warriors. J'aime bien ce ban, il est assez intelligent. Dernier ban pour Sunning, qu'est-ce qu'on va retirer? Il y a donc ce Nocturne qui est toujours disponible. Le Sylas de Forge, vraiment le Sylas de Forge nous fait peur côté Sunning. Ouais. Mais il a quoi comme stat sur son Sylas pour qu'il fasse aussi peur que ça? Alors c'est clair, c'est avec ce Sylas qu'ils ont, ouais, qu'ils ont main, battu IG. Mais quand même.
Alors, les deux joueurs mid lane jouent Sylas en priorité. Il est à 50%. Il a joué 4 fois, donc il a gagné 2 fois sur 4. Et le Viego, laissé open, j'en parlais, ça sera récupéré. Oh, puisque c'est vrai que maintenant, avec la botlane qui est équipée d'un AP, on peut se permettre d'aller chercher un Viego. Viego qui peut être aussi jungle. C'est vrai qu'on avait ban le Olaf, hein, parce que c'était ce qui était joué globalement par Xiao Hao, qui faisait son entrée, qui s'était vu ban d'abord Gwen par son équipe, puis Olaf en face. Et la Fiora, une nouvelle fois, assumer. On force un peu cette Fiora, parce qu'on préfère ban le Jax que la Fiora quand même. Réponse au pot, peut-être. Oui, on va plutôt neutraliser une éventuelle lane. On peut prendre le Galio aussi, parce qu'il y a un Camille Galio qui est toujours envisageable du côté des Rogue Warriors. On hésite, qu'est-ce qu'on prend pour cette mid lane. Ça sera up plus tard. Zoé en blind pick. Ouais. Alors là, du côté des Rogue Warriors, tu peux pick le Galio, le mettre en support. Et derrière, tu mets ton 7 face à la Zoé. Et c'est très peu drôle pour Zoé. Oui, tu peux faire ça. Après, il faudra un vrai support. Qu'est-ce qui restait? Il restait un petit peu tout. Hein. Tu pourrais même claquer la Leona qui est disponible. Le Alistar, Leona. Je pense que le 7, il va support, hein, c'est sûr. Mm. On pourrait le mettre, mais non, le 7, il va support. Okay, et du coup, le Rise encore de Forge. Face à Zoé, mine de rien. Alors, dans les premiers mois, je pense que tu subis un peu. Mais au final, tu vas récupérer le push tout le temps face à elle. Et du coup, tant que toi, t'as des sbires et que tu joues dans tes sbires, elle a assez peu de chances de t'attendre. Petit décal avec l'ulti, toujours, hein, toujours plus, pareil. Ouais. Possibilité vraiment d'agir plus rapidement. Et attention, alors, hein, parce que face de burst, t'as le Viego dans la jungle cette fois. Ouais, mais le Viego dans la jungle, c'est probablement la lane sur laquelle il évolue le mieux. Parce que il a besoin d'investissement. Et c'est lui qui va être décisionnaire de où est-ce qu'on va mettre cet investissement pour que ça se déroule au mieux pour lui et pour ses mates. Donc, je pense que c'est clairement la meilleure place qu'il peut avoir ce Viego dans la jungle. Mais, étant donné que tous les Viego que je caste sont nuls, désolé Xiao, mais c'est possible que voilà, cette fois-ci, ça ne passe pas. Et à chaque fois, ça proquait même dans le chat. Ah, ça va, il y a Anox qui casse pas, c'est-à-dire que le Viego a une chance. Oui, c'était ce que je voyais apparaître, c'était un petit peu limite, mais bon. C'est un peu l'idée quand même. Mais regarde, mais voilà, bon. Ça y est, déjà ben dans oui, le chat. Ben oui, mais bon. Les équipes ne savent pas la rotation de cast et du coup, ils prennent quand même des fois ce pic, malgré cette éventualité. Mais bon, j'espère qu'elle ne fera pas ce mauvais coup à Rogue Warriors. Je pense que c'est quand même une strat envisagée avec Zéro en backstage pour éventuellement essayer de casser la dynamique de ce BO. En tout cas, on va partir là-dessus. La composition est intéressante côté Rogue Warriors. On a cette dynamique. Donc Viego, est-ce qu'on peut le faire snowball derrière? De toute façon, on a à nouveau ce Ryze qui est là, qui peut se mettre en place. On a cette Camille qui peut jouer un petit peu. Alors normalement pas trop. On a encore une fois cette Fiora. Va-t-elle passer côté Bin? J'aime pas trop cette compo stunning. Parce que si tu snowballes pas, c'est foutu. Bah ouais. De base, alors, en plus, t'as Solicine replacée à chaque fois dans la jungle, qui est censée être dynamique. Donc là, c'est plutôt quoi? Avec une Fiora, ça peut donner un avantage. Le problème, c'est qu'au mid, tu l'as dit, Poker, Zoé à la fin en blind. On a la capacité côté Rogue Warriors en red side de répondre et de finalement flex un peu et de balancer de toute façon donc le Ryze au final. On sait qu'il y aura du décalage. Il y aura de la possibilité de scale et de, tu l'as dit, de prendre généralement la prio avec de la facilité sur les waves. J'aime pas trop. Je suis pas sûre de savoir ce qu'elle veut faire cette compositioning. C'est-à-dire que on va vouloir jouer très tôt. Alors avec le Lee Sin et la Kalista, elle n'utilise pourquoi pas. Mais est-ce que cette Zoé va être capable de 6? Pas sûr. Zoé, elle est là plutôt pour les phases de siège de POC, mais en vrai, elle a pas une lane qui est facile. Non, peut-être en décalage avec Lee Sin, faire des opérations, mais. Ouais. J'y crois moyen parce que comme tu disais, au bout d'un moment, en fait, si Zoé décale, bah Ryze aura un boulevard au mid. Ça peut être compliqué. Il peut même prendre, tu vois, le push, deny, décaler lui ensuite rapidement et revenir. Du moment qu'il y aura l'information. Et tu le disais, faire de la place finalement à la jungle, ils en parlaient, hein, dans la petite interview. Ouais. En fait, avoir la possibilité de push, garder une priorité mid lane qui est souvent super importante. Hein. Ouais. Et permettre à ce Viego de se projeter, avoir de la vision assez deep et de faire le jeu un peu. Hein. Ouais, c'est vrai que, bon, en tout cas, on veut mettre le rythme très tôt du côté de One Thing et de On. Donc on va conserver un maximum la pression pour prendre le niveau de A avant tout le monde. Oui, ça touche. Le grab qui touche directement sur QQ, le casse-tête qui répond, bah, On. Mal. Et déjà mid-life, alors qu'on a mis vraiment pas autant de dégâts en contrepartie. L'extirpation dans les premiers lois qui fait pas très mal, il n'y avait pas beaucoup de lance en plus de ça. Donc... C'est 2-3 stacks qui font pas assez. Les potions qui tournent du coup, hein, du côté du Nautilus. Pendant ce temps, la ZDZ qui assume à nouveau le match-up contre Bin. Je pense toujours que Bin est censé éclater en termes de skill gap ZDZ. Oui, large. Mais il sait qu'il a un pick assez safe, on l'a vu, hookshot. Oui, à chaque fois, il peut.
reculé, il n'est pas mort sur la game précédente, il a fait le taf de manière sécuritaire, j'ai envie de dire, il prend pas trop de risques. C'est généralement ce que tu essayes de faire dans ta compo quand tu sens que tu as un side où c'est presque imprenable, c'est-à-dire qu'il y a un gap au top, on le sait, on va pas spécialement aller outplay bin. Donc du coup derrière tu prends quelque chose d'assez safe, tu essayes de le contrôler au maximum, même si ça peut être moyen. En tout cas, contrôler son snowball hein, qui peut faire peur, on le sait, il peut faire des différences à lui quasiment tout seul. Style of Me aussi, mais c'est le Lee Sin un peu tanky normalement hein, ce joueur qui est censé être un petit peu plus constant et qui a des styles particuliers justement sur sa jungle. On veut plus le revoir support, ça va hein, ça on avait vu une seule fois. Bon, quoi qu'il en soit, de retour sur cette botlane, on le fait qu'il met bien la pression, c'est push, plutôt hein. Très propre. On a déjà le niveau 3 du côté des Sunning, est-ce qu'on veut jouer de cet avantage? Forcément, dive, Style of Me way. Est là, après oui, dive en effet si tôt, ça va être compliqué, plus, Viego est pas loin, côté, hein. Oh le flash de Betty, il est très très bien. Il faut des push, il va ressortir, mais attention, il sait pas hein, qu'au niveau du carapateur, si ça y est, Angel était dessus, ça sera un 2v2. Là-dessus, Nox et le flash obligatoire parce qu'il a eu peur de la position Style of Me qui a... Attends. Il y avait un smite sur la Zoé ou c'est qu'on a fail son smite du côté de Xiao. Xiao elle n'a pas smite, donc c'est-à-dire qu'il y avait un smite sur la Zoé que j'ai pas vu. Elle a dû récupérer un smite. Attends, je vais retourner voir. Ah peut-être oui sur le. Oui, peut-être alors. Je vais revoir ça. Si ouais, Angel a un smite et du coup il va smite avant Xiao. Et donc c'est lui qui offre le carapateur à son équipe. Xiao à nouveau présent sur ce bot side, mais voilà, ça va être pour un timing back. Y a pas est-ce qu'on va réussir à récupérer le push du côté des Rogue Warriors, tu penses? Normalement oui, le sun qui touche du côté QQ, le castel qui connaît les makers pour faire la différence. L'ignite, le heal qui sera provoqué là-dessus. Nox, est-ce qu'on peut terminer? La bombinette, ça va pas toucher. Oh, c'est tellement close le heal obligatoire, ça aurait été récupéré par le support après. La bombinette. La petite bombinette. ça t'a détruite là. C'est bien, je suis content. Pardon, parce j'avais que jamais moins, entendu. Ouais, si, j'avais déjà entendu ça, les petits bombinettes. Ok, très bien. Non mais c'est ça, un mot très mignon je trouve. Ouais, en plus mignon pour un, tu sais, pour récupérer un kill, il aurait pas été. Contente d'être mort à la bombine. Tout à fait. Bon, pendant ce temps, là, sur le top side, Zidizi qui va récupérer les sbires sous sa tour. Il y a à nouveau un écart astronomique en termes de CS. Oh là 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 là. Il a sa TP. Ouais. Il va revenir à pied. Là, la wave est tellement bien, il revient à pied, je pense. Oui. Et la TP, évidemment, pour Angel. Et on va essayer de se... Focus un petit peu on qui est sur du roaming, on qui était pas loin de donner le first blood. Et là il peut décaler hein, puisqu'il y a son AD qui revient tranquillement. C'est un Drake infernal. Il faudrait voir un petit peu ce qui se passe entre la middle lane et la bot lane pour l'instant. Et Xiao Hao, attention hein, qui s'était un peu enflammé dans la river avant de flash finalement pour se repositionner, ça aurait pu être catastrophique. C'est vrai que du coup il a toujours pas récupéré son flash, qui a un avantage considérable. Le premier dragon, c'est un dragon infernal, il est déjà là. Ouais. Et Zidizi qui continue hein, de concéder, de refuser en fait. Il refuse en fait le duel face à Bin. C'est-à-dire que tant qu'il sait qu'il ne peut pas le prendre, il ne le prend pas. Un cull, hein, il veut farmer, hein, il veut rien faire d'autre. Ah ouais, le problème c'est que Bin est en train de zoner maintenant sur la wave. Il veut... Évidemment, ah, heureusement il y a ce shield adaptatif évidemment qui permet de tanker un tout petit peu le harcèlement. Ah, oh, il faut la, jouer, la il faut jouer, ça touche. C'est bien. Et là c'est un first blood qui peut être pris, le flash directement. Est-ce qu'on peut aller chercher du côté de Bin? Le flash shield ultimate avec c'est pour éviter. C'est très très bien senti, la téléportation instantanément par et contre du côté de Forge. Il y a Viego qui ferme la porte. Viego est là, voilà, pour la réception, le son qui connecte. Est-ce qu'on peut offrir ce first blood? Bam. À la Horace, pas du tout. Il y aura même pas d'assist du côté de Forge, par contre, pendant ce temps-là, Sunning qui répond très très bien. Style of Me qui est présent sur ce dragon. Ouais, forcément, hein, forcément. Viego qui bah, met sa présence topside, met de la pression, récupère des ressources. On va rentabiliser de l'autre côté. Ah non, ça sera pas cet abordage-là. Faut pas pousser. Et derrière, c'est un premier Drake récupéré. Style of Me qui aura la possibilité de voir Angel aussi décalé pour un setup éventuel de dive. Cette fois-ci à 4. Mais la pink va révéler l'intention. Il faut reculer très vite côté Rogue Warriors éventuellement. Voir. Non, c'est bon, la wave, normalement, on peut la clear. Il n'y a plus grand chose. Oh, le casse-tête, il est parfait. Oh, est-ce qu'on peut aller chercher les dégâts? Pas suffisamment une nouvelle fois. Mais ça va cancel le move qu'on avait prévu du côté de Sunning. Il n'y a plus de point de vue sur ce Nautilus. On peut pas retourner. On est obligé d'annuler pendant ce temps-là. Vous l'avez vu, chez AOAO, il a fait le clear sur la topside, dans la jungle topside de Style of Me. Donc honnêtement, le move Style of Me est bien parce qu'il récupère le dragon, il sait qu'il peut rien faire, il peut pas aider. On va voir la pro view, la parade ici qui est parfaite. On avait réussi à éviter énormément de parades du côté
de cette Camille. Et là, ça n'a pas suffi. Et pourtant, cet ultimatum exact pour éviter, c'est le Q-spell, je crois. C'est parfait. Mais bon, il n'y avait vraiment plus de HP et le shield n'a pas proc. C'est le problème hein, de réussir à contrôler cette parade qui peut faire toute la différence dans le fight, on l'a vu. Et malgré la présence des flashs, forcément, on savait que Bin pouvait suivre pour terminer le kill. Après, il y a eu une tentative, tu l'as dit, déjà pour esquiver, puis ensuite mettre sous la tourelle. Le problème, c'est qu'on était hors range. Après, il y avait quand même une TP qui a provoqué en fait le décalage et Viego qui est arrivé pour intercepter. C'est pas mal, hein, de toute façon, sur Viego, mais c'est vrai que c'est dommage. Pas d'assist du tout, décalage de forge qui n'a pas été récompensé pour le coup. Ouais, après, je crois pas qu'il ait perdu grand-chose. En fait. Ouais, sa téléportation, c'est toujours problématique, certes. Mais je crois que ça reste. Ouais, mais tant qu'il aura son outil après au niveau du CD, ouais. Bon, bah, il pourra faire des choses. Ah, regarde, en termes de CS, c'est à l'avantage de Angel. Bon, pas de beaucoup, mais. Léger, ouais. Bon, à nouveau, cette fois, du côté de Deathsunning, on est proactif sur ce premier Herald. On a raison, il faut l'être. Du côté de Betty, on n'a pas du tout pu faire le décalage comme tout à l'heure parce que cette Kalista met extrêmement le rythme sur la botlane. Donc, il n'a pas pu récupérer la pression et faire le décalage comme il le souhaitait. Donc, on va cancel cet Herald du côté des Rowers. On peut pas contester, tant pis. On le laisse, on va récupérer des plates pendant ce temps-là en solitaire du côté de Betty. Zidizi qui continue de respecter. Il y a 15 CS de retard, c'est plutôt correct au vu de son match-up. Ouais, mais cette fois-ci, donc il sera peut-être un petit peu mieux. On l'a vu outplay, on l'a vu récupérer au moins ce kill. Il se met en place et il faudrait une grosse Fiora forcément hein, qui poserait problème en split push pour contrôler en plus et cette Camille et avoir la possibilité de mettre une pression sur deux joueurs. Betty qui a pris un petit coup de tourelle. Ah, Wenfeng il a pris deux bombes, il est mid-life. Ouais. Xiaowao qui n'est pas vu en plus de ça, ouais. Qui va pouvoir trouver peut-être une position la jungle. Est-ce qu'on va réavancer justement pour prendre la vision du côté de Hone? La petite surprise mais l'appel du destin qui est bien senti, porte de sortie facile. Heureusement, hein, parce que sans ça, à chaque fois, je pense qu'évidemment, c'est la condamnation. C'est le pilori et derrière, cette possibilité de fight check monstrueuse avec cette ultimate. La force qui va essayer de subtiliser un maximum de corps ici. Essayer aussi de contester. Quand Rise push, enfin récupérer ses corbins, c'est pas hyper complexe. On va deny DCS encore pendant que Xiaowao, Betty et QQ continuent de mettre la force sur le bot side. Ouais. 3 plates de récupérer pour Betty et ses coéquipiers. C'est plutôt très correct. Hein. On est toujours avec un léger retard en termes de CS, mais ça reste tout à fait OK, en vrai. Donc, c'est moins un snowball massif que sur la game 1. D'ailleurs, les Sonic sont devant en termes de gold, donc c'est tout à fait correct. Tu l'as dit, ils doivent s'activer hein, quand même avec ces prises de ressources. Et il faut qu'ils jouent tôt, hein, les Sonic, ouais. Ils ont pas le choix. Ouais, parce que de l'autre côté, on peut attendre, hein, côté Rogue Warriors, on est à 1-0, on sait que c'est pas à eux de faire spécialement le jeu. On a du Rise, on a vu que Force, ça se met bien. Xiaowao, il peut snowball comme il peut, ne moins snowball, c'est pas dramatique. Derrière, on a Zidizi qui devra limiter les dégâts. On a un petit peu peur quand même. Attention à Style of Me, on le sait, ce héros de la faille a été récupéré. On attend de voir forcément ce qu'il va en faire. Est-ce qu'il y a une possibilité sur la Camille pour ensuite offrir des ressources au top ou alors essayer d'aller autre part, éventuellement activer cette Kalista un petit peu plus tôt avec un push éventuel, on l'a vu, hein, des setups de dive quasiment tout à l'heure à 4. Le problème, c'est qu'il y avait justement la vision défensive des Rogue Warriors qui était plutôt bien en place. Et surtout, le dépush facile, t'en as parlé, la possibilité d'annuler un petit peu, de poke on, tu l'as dit, pas de possibilité finalement de tanker, de pouvoir se projeter sur un dive. La vision tout de suite de QQ qui se décale au niveau du roaming river plus mid lane. Et Zidizi respecte un maximum. Il va lâcher toutes les plates, tant pis. C'est bien pour Bin qui prend toutes les ressources. Bin il se régale, hein. 20 CS d'avance, c'est encore, il est toujours 25 même, enfin, ouais, 25 quasiment. Plus toutes les plates qu'il a récupérées, il est. Il les a récupérées en solitaire en plus, donc c'est vraiment, il est très très bien du côté de Bin. Ah, il a son mythique, ça y est. Ouais. En premier. On continue de contrôler cette rivière, hein, par contre, du côté des Sunning, l'Herald qui est posé forcément sur cette mid lane. Il faut trouver le move du côté des Rogue Warriors. Soit il faut être à la défense. Forge y est déjà. Est-ce que, voilà, on ne peut pas cancel la charge, mais on devrait pouvoir récupérer cet Herald. C'est un Herald qui n'est pas incroyable. Mid. Est-ce qu'on peut trouver le move? Par contre, QQ, peut-être le stun qui connecte le grab derrière. On va chercher. On peut se repositionner. Oh, il n'y aura pas le temps si le Haymaker, il est bien, mais ça ne suffira pas à survivre suffisamment longtemps. On va mourir également du côté de Xiaowao. Et c'est deux kills de plus récupérés par Sunning et également un dragon. Ouais, le Drake, alors sera-t-il fait? J'ai l'impression qu'on est en train de se rediriger. Oui, le Lee Sin va y aller et on se remet tout de suite sur les lanes pour pas perdre de temps. La TP et qui va être juste sur la fin de la tourelle. Bin qui va simplement la récupérer. First Blood.
Ouais. First break, pardon. First blood de tour, effectivement, avec la prise du Drake. C'est un océan en plus, le deuxième Drake. Toujours intéressant. L'Ignite qui avait été claqué avec le Spellbook. Et ça s'enflamme derrière. On l'entend évidemment très heureux de cette phase de jeu. Prise de kill, prise d'objectif. On se met bien, on s'active. C'est ce qu'il faut côté Suning. On se retrouve un petit peu contre une équipe devant laquelle on est favori, mais on s'est heurté à quelque chose en game 1. Ouais, non, là ça déroule bien mieux du côté des Suning. 7 TP mid pour Angel, on va revenir maintenir la pression. QQ qui s'avance définitivement trop. Alors on a tout mis dessus, mais au moins il tombe. Rota CC, on gère bien son Waymaker, on sent, on revient derrière. L'appel du destin sur Xiaowao, ouais. En plus il est très très bien du côté de On. C'est très très propre derrière. Est-ce qu'on peut utiliser le CK pour faire tomber? Voilà, la brique, c'est bon, c'est récupéré. C'est malheureusement pas la first tower du côté de ce Ziggs. C'est forcément décevant quand t'as un Ziggs et que t'arrives pas à avoir la first brick, c'est relou. Mais bon, c'est récupéré. Au moins. Il scale. De toute façon, tu l'as dit, c'est moins cool. On est moins pressé du côté de Raw Warrior au vu de cette composition. C'est évident, alors il y a toujours cette Fiora, hein, bien évidemment. Ouais. Mais côté Raw Warrior, on a Ryze, on a Ziggs, on a Camille, on a Seth, on a Viego. C'est-à-dire que tout le monde scale. Ouais. Camille, late game, c'est chaud. Hein. Avec la résonance du Q-spell, on le sait, ça déménage. Pour l'instant, il faut jouer vite. C'est tout à fait faisable hein, du côté des Sunning. Il faut jouer vite. Zidizi qui fait des feintes. C'est bien, il va avancer sur le top side. Le problème, c'est qu'on a toujours pas le mid, donc on peut pas vraiment glisser facilement. Le but étant d'aller voir des deep hein, pour lui, pour avoir l'information très tôt pour le décalage. Il peut faire la pression, revenir. Il est tout seul. Ouais. On a tout mis à côté. Heureusement qu'on a tout mis à côté. Effectivement, là, on se sentait un petit peu moins confiant là quand on a vu arriver tout ça, mais juste à côté. Ah, et à chaque fois, la 7 hein, qui vous montre évidemment le match of the week à pas manquer ce week-end. Dernière rotation du samedi. Ça sera les TES contre les FPX. Duel de titans sur la middle lane, bien évidemment. Les deux plus shiny que j'ai call sur le Bagarre Club. C'est Allez voir ça. On a replacé un petit peu tout le monde. Le top 2, mais bon, des fois on pourrait quasiment faire un top 3, 4, oui, hein, on en discutait pas mal, mais sur top 2 lanes, par poste, ouais. C'était une mission particulière. Ouais, c'était très intéressant. Bon, pendant ce temps-là, dans la game, c'est Betty maintenant qui est chargée du dépêche de la mid lane, la big directement, parce qu'on sait qu'on a la pression. L'air on veut maintenir le mid, ouais. Qui est revenu hein, sur le top side et directement, on est au rendez-vous du côté de Style of Me, on est là aussi, on peut pas faire la rotation du côté des Rogue Warriors, on va être obligé de les concéder. Ces héros, on les avait très bien joués sur la game 1 et là on n'arrive pas, on n'a pas récupéré les premiers dragons, on n'a pas récupéré les premiers héros. En fait, tout ce que Rogue Warrior a récupéré sur la game 1, Suning est en train de le prendre. Ouais, est-ce que ça sera suffisant pour faire la différence dès le mid game? Suning hein, a toutes les armes, a tous les joueurs en tout cas, voilà, il y a des beans, Style of Me peut faire. Des fulgurances, on sait qu'on peut tout jouer sur Wenfeng, hein, comme vous l'aviez dit tout à l'heure aussi. Wenfeng pour l'instant discret, qui a son arc bouclier immortel, on va commencer à se mettre en place, mais Kalista il faut au moins voilà, se projeter sur 2-3 items, entrer en mid game, Kalista qui a besoin des fights un petit peu plus longs. Et c'est vrai que cette rota CC qui était intéressante, on l'a vu faire tomber très rapidement peut-être QQ qui est là pour essayer de setup un peu les fights, avec son Waymaker notamment. Et cette Zoé, tu as dit, on ne sait pas si elle va trouver son rôle correctement. Angel, à chaque fois, la possibilité finalement de mettre un petit peu du zoning, ouais, du poke, hein, une travel bubble qui peut faire. En fait, il va être essentiel de poser cette Herald Mid, tout simplement parce qu'il faut permettre à la Zoé de se mettre en situation de siège. C'est le plus important. Par contre, sur cette top lane, vous voyez QQ qui est présent. Et vous le sentez arriver, évidemment. Peut-être. Ça sera prochaine wave. On enlève celle-là. La prochaine arrive. On pourra évidemment aller sous la tourelle. Mais oui, mais bien sûr. On l'a senti du côté de Bean. Et du coup, on respecte très fortement. Il va ward, voilà. Juste là pour avoir l'information. Il va ward loin quand même. Ouais. Et du coup, on va concéder cette T1 top. Il la met là pour avoir l'information safe au début de derrière le mur. Puis ensuite, pouvoir décaler pour se remettre directement dans la jungle sans être inquiété. Oh non, c'est terrible. Ouais, c'est... Oh non, là, c'est un scandale. C'est un scandale, Suning, ça. Oh. J'ai jamais vu ça. Un PV sur la tour et non. Bon bah, il va mettre une charge sur la T2, mais déjà cet Herald il est pas mid, alors ça me dérange parce que je pense que quand t'as Zoé, tu veux prendre cette T1 surtout quand c'est le deuxième Herald. Et en plus de ça, vraiment, Style of Me met une auto quoi. Surtout, tu le lâches à ce point-là, ouais, et tu laisses le gars oublier une auto à la fin, pas avoir le temps, et derrière, c'est un Herald qui
perd plus de la moitié de sa vie sur 10 HP d'une tourelle. Et du coup, Betty continue de défendre corps et âme cette T1 parce qu'il le sait, c'est son pilier. Il faut la garder. Il faut la garder en vie le plus longtemps possible du côté des Rogue Warriors. C'est ça, on est dans le bunker, on essaye de survivre un maximum. On donne tout, on donne sa vie pour la tourelle. Et là, ça sera un nouveau Drake. Et ça va un petit peu vite, hein. Effectivement, 3 Drake à 0. On est en train d'inverser la prise des objectifs neutres là. C'est très propre, ça, par contre, ces rotations du côté de Style of Me. Mais là, c'est une âme des vents, donc c'était une âme infernale tout à l'heure. Hein. C'est sûr que c'est une âme qui est bien moins Gamebreaker. Forcé de reconnaître que oui. Quand il avait récupéré, qu'après il pouvait fight derrière ça là. Avec le petit boost, tu sais, ça te fait tellement du bien. C'est pas du niveau de l'Elder, mais tu vois, ce côté petit tic, t'as des autos plus fortes. Je sais plus combien de Drake Inferno ils avaient eu en plus. Deux. Ils avaient les 4, c'est vrai. Donc t'as forcément les deux autres qui sont pas Inferno. Donc non, c'est correct. C'est vrai que l'âme des vents est bien moins Gamebreaker que l'âme... Après, pour eux, la rotation rapide, mobilité, on l'a dit, il faut qu'ils soient très actifs. Non, c'est très très bien, Betty qui continue hein, sur cette mid lane. Maintenant, prochain objectif, y a un Baron Nashor qui va arriver. Est-ce qu'on a les dégâts pour le faire du côté d'une des deux équipes? Non. Du côté de Sunning, on sera probablement prêt plus tôt pour le faire, cependant, parce qu'avec Alista, c'est relativement facile ce genre d'objectif. Oui. Là où du côté des Rogue, remarque, t'as une Camille. C'est vrai que t'as beaucoup de DPS quand même. Ouais. Donc pourquoi pas. Mais. Rai surtout. Andrew qui veut aller chercher. Pardon. Ouch. Oh là là, ce qu'il a mis sur ce set. C'est un set support, donc il met plus de temps à avoir ses items, hein, forcément. Donc il est bien moins résistant. Et il a bien moins de HP quand il fasse la Zoé sur la mid lane. Donc là. Si t'as pas ton Maker Pixel pour encaisser là, ça picote ultra sévèrement. Et il l'a ressenti profondément. Le Vastaya, et attention parce que là c'est du zoning justement avec Angel sur le côté pour essayer d'ouvrir la porte à la prise de T1 pour son équipe, mais tant qu'on a Betty qui voit les choses autrement, et tu le disais, il va rester mid lane hein, pour garder un maximum de temps, tout ça verrouillé, le coffre-fort de la T1 est toujours là et on avance et c'est bien pour eux, le timing avance pour eux. Pour l'instant on va équiper Angel d'un blue buff pour essayer et de spammer. Et cette fois, le Ziggs qui fait un Luden alors que tout à l'heure il a fait Liandry. Qu'est-ce qui justifie ce Luden? Probablement le fait qu'il y ait bien moins de HP du côté des Sonic. Tout à l'heure, on avait un Volibear qui peut mettre énormément de temps à tomber, etc. Besoin, le Sylas aussi, parfois, peut-être qu'on voulait, cancel aussi la régène de ce Sylas. Régène de Fiora avec le Morello. Du coup, là, on a le Morello, bien évidemment, mais c'était un Trundle, c'était un Trundle. Mais bon, là, c'est même. Mais c'est vrai qu'ils avaient hésité à prendre le volley. Oh, la TP, tu la sens là-dessus, dans le bac. Attention, parce qu'il va y aller comme un gant, peut-être Bean là-dessus. Oh, il va aller chercher absolument. Non, ça passe pas pour Bean. Ça passe pas. Derrière le portail transdimensionnel, forcément. Oui. On fait le regroupement. On est en super état numérique. On va aller chercher un maximum de dégâts. Betty qui dépaisse un maximum. Zidizi qui va tomber quand même. La méga bombe infernale, c'est pas si mal. QQ qui temporise un maximum. Ah, le setup pour Sonic, il est pas si mal que ça, finalement. Les dégâts sont bons. On va se faire. Oh, l'extirpation. QQ qui va disparaître. La priorité. Et Angel, regarde ça, qui va prendre en plus de ça un smite supplémentaire ramassé. Est-ce qu'on peut pas justement harceler, empêcher les joueurs de back pour simplement ouvrir définitivement cette T1. Il reste vraiment pas grand chose. Ce fight Sonic était fortement. Si... Ouais. Il semblait bien ce move, mais ouais, on n'avait pas les dégâts. On a pris trop cher simplement. Sonic Angel en plus qui était là et qui a pu poke comme il le voulait. Il avait une bonne position Angel. Et une nouvelle fois Sonic qui répond présent en termes de phase de regroupement. C'était très très propre. C'est une game bien plus propre que ce qu'ils ont pu faire sur la game 1. Ah, j'avoue, comme dit dans le chat, quand même la petite émote du pouce, alors que clairement on était pas loin de se faire un petit peu disrespect en. Ouais, mais il veut aller chercher son armor, il veut aller le tenter. Enfin, il veut aller chercher son trade kill, il veut le tenter. Il donne de flash, tout, hein, le et on flash était pas loin de tomber au dernier moment avec le buisson qui te permet de repartir. Ah, je comprends. Il lui a dit non, et je comprends. Et là, regarde comment il force peut-être un petit peu tout seul. Son grab, il est incroyable. Ouais. Zidizi, du coup, il est out très vite. On recule de la zone des bombes de Betty qui est pas stat était bon, mais il était tout seul. Pas de possibilité de mettre du burst à ce moment-là. Et derrière, on recule et le setup est parfait avec une Zoé hein, qui reste derrière en offensive. Et Style of Me qui est là tout seul. Pour l'instant, il faut récupérer la vision. Et cette priorité mid, Nox, décidément, cette T1
qui fait une telle résistance, ça bloque l'avancée c'est des Sonics. C'est difficile de pêcher un zig, c'est très difficile de pêcher un zig. Regarde ça, les casters qui disparaissent. Il risque le canon déjà, c'est terrible. Cette capacité à mettre la pression, cette fois-ci pour Sonic qui savent que forcément il ne va pas falloir faire Snasher, mais simplement mettre la pression. Zidizi dans le bac, vu par le pollen. Peut-il faire quelque chose? Le hookshot, passer dans le bac. Il y a une éventualité avec QQ. QQ qui a son clou du spectacle. Le problème, c'est qu'il y a Style of Me. Il y a un dragon surtout bientôt, ouais. Dans 5 secondes là. Et c'est pour ça qu'on essaie tant de prendre cette T1 du côté de Sonic. Et on la veut, on veut se projeter sur ce Drake. Déjà la soul éventuelle. Bin qui a sa TP qui peut évoluer sur le side pour le moment. Pas de creep, on attend. On est complètement stacké. Au mid, on laisse Style of Me, on a la priorité. Pour l'instant, c'était un reset du côté des Rogue Warriors. C'est dommage. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment give up. Ils savent que de toute façon, ils ont la compo qui scale. On va laisser, tu l'as dit, c'est une âme des vents. Tant pis, on l'abandonne. Ouais, et le push qui ne suffira pas cette fois. Ouais, on va l'avoir. On va l'avoir, enfin cette T1. Oh, le slip qui connecte, il faut se mettre devant. Pour QQ, le bandage qui touche directement, ça flash à la de la DSM. On peut rien faire du côté de Betty. Il reste en vie, malgré tout. Il reste en vie. Aïe aïe aïe, Betty tout à l'heure qui nous avait fait le coup avec le portail, on ne meurt pas, il connaît les 10 HP, même peut-être il y en avait 5 ou 6. Et on va récupérer Scarapateur, la soule des vents, c'est complété là-dessus. Nox, enfin la T1 qui saute, ça donne de la possibilité d'accélérer. On va passer peut-être la 3ème, 4ème, il faudrait y aller côté Sunning en tout cas. Forcer peut-être quelques erreurs Rogue Warriors un petit peu. On l'a vu, hein, un petit peu un trop plein d'accélération, ils étaient pris. On a vu que derrière la possibilité de les recevoir finalement. Et pour l'instant, on est devant. Et en termes de gold, on est bien devant. Puisqu'on est quasiment à combien, 4K d'avance, on va dire. Là, ça peut être possible côté Style of Me. Il attend la possibilité. Oh, c'est bien, ça. L'abordage qui a été claqué. Le clou du spectacle également. Style of Me qui va reculer. Attention, Chao Ao qui est déjà disparu. Là-dessus, la possibilité de contrôler aussi avec Angel. Non, pas du tout. On va reculer. L'appel du destin qui avait été claqué. On va se retourner sûrement sur un call Nashor. Très certainement, c'est un jungler, oui, qui est out, hein, là-dessus, Nox, donc c'est une facilité maintenant. Extirpation, la TP est là, de la part de Bin qui est à push le bot side. Il y a une méga bombe quand même de dispo, donc il va falloir se méfier du côté des Sunning. Ouais, mais là, il n'a pas d'infos sur les PV. Hein. Il faut avancer, il faut scout. Zidizi peut-être, shot, mais on est bloqué dans la river pour le moment. La cache qui touche, est-ce qu'on peut détruire Angel? Pas c'est du tout. Temporisé. Le spot temporisé. La méga bombe qui là, ne touchera donc personne. Ultimate avec tech. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un? Pas du tout, ça y est. QQ est déjà tombé. Est-ce qu'on peut se venger? Le portail transdimensionnel pour s'échapper du côté de ce rise back. Oui. Et derrière, on ne pourra rien faire pour récupérer ce baron. Rower qui s'incline ici, hein, sur cette phase de jeu. Sunning qui. Mais qui font exactement la game que Rogue Warrior a fait un peu plus tôt. C'est la même chose. Trop propre cette gestion sur le Nashor. Impressionnant. Ils ont su sortir, ils ont su tempo cette ultimate de Ziggs. Ils savaient de toute façon que comme ils n'avaient pas trop l'info sur les PV, ils allaient tenter quelque chose en entrée de river. Franchement, on va sûrement revoir voilà, ce mot. Mais franchement, apprécier la gestion Sunning quand même là-dessus. Parce que déjà, on essaye de mettre la pression. Angel, qui sait, il va temporiser. On, il peut repartir après derrière. La grenade, elle est facile. On gère vraiment ce fight parce qu'on se fait aggro par le Nashor quand même. Capacité à pas prendre trop cher. Et tu l'as dit, on aveu d'impuissance. Forge qui sort tout simplement. Qui sait que c'est terminé. Et derrière, Sunning qui va prendre ce Nashor, qui perd quasiment personne. C'est parfait pour l'instant. En effet, Angel qui se fait pas avoir ici, la bulle qui touche encore ce Ziggs. On peut pas l'atteindre malheureusement. Alors on va rentabiliser Snasher, deux lanes en simultané. Ouais, Labine il peut s'exprimer. Ouais, même s'il a pas parti en snowball, il est un sweep push, il a sa Fiora, il a un Baron Nashor, il y a rien qui peut l'arrêter. Rien de rien. Elle est au mid, ouais. Pour l'instant il met la pression tout seul, il sait qu'il a le canon. Ils sont 4 sur lui. Ouais. Il peut pas défendre sa T2, Betty, ici. On va être obligé de concéder. On va être obligé de rester dans notre base du côté des Rogue Warriors. Ah, on y était. On défendait tellement longtemps cette mid lane. Oh, l'arrivée de Style of Me carrément sous la tourelle. Présomptueux. Il sait qu'il a une porte de sortie avec le dash. Et toujours pareil. Style of Me qui va faire évidemment l'essuie-glace. Il est vu par la Warn, mais il peut décaler avec sa team. Angel qui est en face de chez, s'en parlait, qui peut faire reculer toute l'équipe. Mettre un gros burst. Peut-être faire sortir cette équipe pour aller à la fontaine. Ouvrir le verrou des T3, la T3 qui a peut-être tombé les dégâts là-dessus qui ont été call. On va y aller, l'appel du destin sur On. Derrière, on contrôle l'ulti Ziggs. Ah, il y aura un kill directement Warrior sur le Ryze. Le fight Rogue Warrior est pas si mal, mais Ryze est déjà tombé, donc c'est un gros DPS. Est-ce que Shiro peut faire tomber quelque chose? Pas du tout. Il s'est fait instant des pop par One Fang et ça, Kalista, le premier inhibiteur qui game, tombe. Hein. Et c'est très clairement la game, on veut aller chercher.
Les kills, le jouer le KDA, voilà. Le burst demi sur Zidizi. Première T4 qui va s'effondrer. La deuxième va suivre dans la foulée. Et c'est une game. On égalise pour Sunning. Oh, ouais. Mais Wenfeng. Pas Wenfeng, Angel. Angel qui fête ce 14 juillet sur la plateforme. Malheureusement, ça fait un peu mal. Mais voilà, il voulait un peu répondre à Rogue Warriors, qui avait un petit peu aussi Dive La Fontaine avec Ryze. Bon, c'était un peu plus facile que là. Mais il fêtait simplement le Nexus. Égalisation, on avait besoin d'une réponse d'une équipe majeure, tu l'as dit, du top 10, qui face à Rogue Warriors, ça faisait un petit peu tâche de perdre de cette manière quand même la première game. Nox, donc c'est legit. Nashor super bien rentabilisé. On fait les suiglas, les deux lanes, on avance le siège. On a draft early, on a joué early, on n'a pas laissé le temps à ce Ziggs, à cette Camille ou à qui que ce soit de trouver sa place dans la game. Et du coup, c'est win du côté des Sunning. C'était bien plus propre que ce qu'on a pu faire sur la game 1. C'est bien plus convaincant. J'ai apprécié ce que les Sunning ont fait. C'est exactement ce que j'attendais sur la game 1. Alors j'attendais toujours que Bean skill gap cette Camille, mais visiblement, c'est plus compliqué que ça. Du coup voilà, Zidizi qui concède énormément. Et là, cette fois-ci, comme sa jungle avait de l'avantage, là, il pouvait pas juste concéder, en fait. On a récupéré toutes les plates, on a récupéré la first break sur les mains de Sephira. Sephira est très vite devenue astronomique sans avoir récupéré de kill. La courbe de gold qui est excessivement propre, hein, vous le voyez. Et du coup, cette fois, c'est vraiment l'inverse de ce qui s'est passé dans la game 1. Est-ce que, mon cher Frost, tu es capable de décider un MVP du côté des Sunning? Ah, c'est compliqué de sortir quelqu'un. Courbe de goal, vous la voyez évidemment. Game assez propre. On a su accélérer au bon moment. On a eu du mal avec cette middle lane, il faut l'avouer. Dur effectivement de sortir quelqu'un. Bot lane, je suis pas sûr. On a fait quand même un gros taf. Angel était présent. Il a les damage. Je pense que ça peut aller sur lui. Après, en vrai, Style of Me, c'était OK. Bean, compliqué. Il a essayé quand même de faire le taf. Ça sera... entre Angel, j'imagine, peut-être Bean en vrai, je sais pas. Moi j'avoue que j'aurais mis Wenfeng. Parce que c'est lui qui gère la phase de lane, qui empêche le Ziggs de jouer. Et c'est lui derrière qui trouve les kills, etc. Donc je pense que ce sera Wenfeng. Mais bien évidemment, vous le savez, le MVP c'est toujours après la pause. Alors on part en pause et on se retrouve juste après. Et de retour pour la suite de ce premier BO, les Sunning enfin revenus dans ce BO, on n'en attendait pas moins. Mon cher Zerotic, es-tu là pour caster finalement le soulagement du 2-1 hein? C'est ça, moi je viens pour la victoire finale, c'est exactement ce qui est prévu, le script est bien suivi, on a juste drop une game pour mettre un peu suspense, mais là c'est bon. Voilà, on a assuré la deuxième game, la troisième, on fait pareil et on repart tranquillement avec une victoire dans les valises et de la confiance pour JDG. Ouais. Bon. C'est ce qu'on veut et c'est ce qui doit se passer. Ouais, on a su accélérer le mouvement, on a su prendre la game à son compte. C'est ce qu'on attendait de Sunning contre Rogue Warriors quand même. L'attitude est bonne, donc on n'a pas de quoi vraiment stresser normalement. Alors je dis encore entre guillemets, on est en LPL. C'est vrai que ça reste les Rogue Warriors. Est-ce qu'ils vont faire un petit bail? On verra un petit peu de quel côté ils seront dans cette draft. Mais normalement, là, je vois pas un monde vraiment où Sunning, je sais pas, dégoupille là sur une game 3. Faudrait voir exactement ce qui se repasse en termes de draft, puisque première game, on avait tout de même une game qui était à l'avantage sur les phases de lane au Rogue Warriors. Là, rien que le fait de prendre une Kalista, ça prouve que là, on veut gagner beaucoup plus fort à la phase de lane. Prendre une Zoé, on veut gagner plus fort à la phase de lane. Et à partir de ça, on arrive à vraiment bien passer. On a une petite interview d'Angel à vous passer et on revient. 下一场对战RW的上路，我觉得我的打法就是要偏向先对线打好，然后再帮助队友。我觉得我们这段时间连胜，主要原因就是我们都更加自信，并且相信队友，所以配合就越来越好。 Très bien, donc pour gagner contre Rogue Warriors, il faut des lanes fortes et après une bonne coopération dans l'équipe. Bon, la bonne coopération dans l'équipe, on l'a déjà vu, les lanes fortes, c'est arrivé en game 2, pas en game 1. Donc là, vous nous faites la même chose en game 3, prenez des lanes fortes. Et bah, au passage, ça fait plaisir de revoir une Zoé, de revoir la Zoé d'Angel. C'était une des Zoé qui n'était pas forcément les meilleures de LPL, mais elle a fait son taf cette game. Ouais, voilà, elle a fait son taf. Hein. De toute façon, pas mal de midlaners la maîtrisent. Alors certes, c'est vrai qu'on a déjà des joueurs shiny dessus. Mais Angel, voilà, polyvalent, capable d'aller prendre cette Zoé, de l'utiliser à bon escient. Et c'est vrai que finalement,
On a pris, voilà, tu l'as dit, c'était dur longtemps. Il y a la T1 mid qu'on a fait tomber, mais derrière, on a pris les objectifs quand même. Cette capacité à avoir un petit peu aussi la Fiora plutôt tranquille cette fois-ci au top pour Bean. Avec un petit solo bolo. Le petit solo bolo pour il démarrer était bien, la game. Ce petit outplay quand même. Ça. Mais oui, c'est ça qu'on veut. C'est ça que Bean nous a habitués contre pas mal de top laners. En termes de MVP, on ira tout de même vers Wanfeng. Janox, ouais. Qui obtient le premier MVP de sa saison. Il était temps. C'est vrai, c'est vrai ça. D'habitude, c'est le porteur des MVP de Suning, clairement. Un joueur shiny, t'en as parlé, c'est un peu le joueur carry de prédilection de l'équipe. Et là, premier MVP, c'est vrai que finalement, gros KDA, ultra propre. Je le disais, il était en sommeil là, à ce moment-là, zéro kill. Il venait d'avoir son mythique et après, il s'est exprimé, il a pris les ressources. Style of Me qui va essayer d'y aller. Et il s'est fait double deny, mais il a réussi à tout de même faire son travail, qui était d'envoyer une victime dans la mêlée. Et Wanfeng a récupéré le kill. On a tout de même eu une bonne game de Style of Me. On les voit dans les highlights. Il était présent. Donc, à ne pas sous-estimer. Tellement bien géré cette phase de jeu. Incroyable. L'abordage, on y donne tout, il est low, mais il met tout ce qu'il faut avec son ulti. Derrière, c'est vrai que Wanfeng se permettait d'avancer et de bien se réguler. Le positionnement est bon. On disengage, on attend le Ziggs et après on repart. Et finalement, on fait repousser Rogue Warriors. Le Rise était déjà en train de partir mid lane en mode ok, c'est mort les gars, on va essayer aux objectifs. Et on va partir dans la même optique. Pour la game 3, on va directement y aller. Les Rogue Warriors sont en blue side et Angel fait peur. On enlève la Akali, on enlève désormais sa Zoé qui a peut-être un peu trop dominé la laning phase. Et du côté des Sunning, on va retirer le Sylas de Forge, mais cette fois en première rotation. Ouais, première rota. Alors, est-ce qu'on retire le Renek a été retiré aussi sur le top side. Est-ce qu'on laisse... Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui fait peur? Ouais, il y a le Xin, Shao, Lee Sin en reprise. Est-ce qu'on le retire? Le Xin ban en blue side est tout de même assez étrange. C'est un pick qu'on aime bien prendre en first pick normalement. Ouais. On va retirer la Gwen. On sait qu'elle a été jouée souvent dans la jungle du côté des Rogue Warriors. Et on va préférer ne pas avoir cette possibilité de pick. Ciao. Donc le Lee Sin en first pick. Pour l'instant, aucune surprise. Quelle est la réponse des Sunning? Est-ce qu'on repart le plus rapidement possible sur la Kalista ou est-ce qu'on attend d'avoir un tout petit peu plus d'informations sur la botlane? Snowball, il y a quoi? Il y a Viego, Diana qui sont open en vrai. Je sais pas, vu que le Xin est retiré. Il y a la Camille, Bean qui voudrait la prendre pour lui. Cette et fois-ci, c'est la c'est Camille. Lui. Ouais. Bean qui va avoir peut-être l'autre côté du match-up. Ça reste à voir ce que Zigizi a envie de prendre pour pouvoir répondre à cette Camille. Donc, on a une double réponse Fiora. On pourrait avoir une réponse bien différente. Il y a pas mal de match-up qui peuvent contrer la Fiora. Ça me plaît. Le Viego pour essayer d'activer un monstre. Je pensais au Thresh open, hein, les sites pourraient choisir de partir sur quelque chose comme ça. Oh, ça rigole. Ça rigole. Sans déconner là? Ah non. Il l'a présélectionné en rigolant. Ouais, voyez, c'est ça. Vous voyez son petit sourire. Mais si Zizi a envie de se tenter à ce petit jeu, qu'il y aille, et ça sera notre plus grand plaisir. Mais ça, c'est un counter bien plus fort. Le Jax contre Camille, un autre dueliste. Mais un dueliste qui peut très très bien s'en sortir, en plus avec le Viego dans la jungle. Le 2v1 est tout à fait possible s'il prend de l'avance. Par contre, pour les Sunning, on alloque le combo originel avec Camille. Ce sera un Camille Galio, qui est en plus une bonne réponse face à Leblanc. Donc du côté Sunning, on est bien content. Ouais, parce que là on a une agressivité incroyable. Lee Sin, Leblanc avec un counter pick sur la top lane, et tu le disais, la possibilité d'avoir à la fois la combo Camille Galio et avoir ce Galio qui essaye de neutraliser un petit peu une réponse à Leblanc. Donc on se fait counter mid, on est censé counter top, on a de l'agressivité sur le jungle mid. Thresh retiré en deuxième rotation, on en parlait, possibilité d'avoir un bot side un petit peu plus tranquille. Varus retiré également pour Betty. Ça m'étonnerait pas que les Sunning réintroduisent avec leur AD carry pour pouvoir garder cette flexibilité potentielle du Galio qui pourrait aller bot, même si le Galio est très très bon contre la Leblanc à la mid lane. Laisser un petit doute planer serait bon pour eux. Donc on a déjà retiré un AD carry. On pourrait retirer le Ziggs s'il fait peur, mais on préfère retirer la hache. Ça crie à un pic Kalista. Ouais, je pensais à la Kalista de reprise encore. T'en parlais de l'AD directement côté Sunning. Dernier ban justement. Est-ce qu'on la retire? Est-ce qu'on enlève plutôt le support ou la D? Parce que c'est vrai qu'ils ont la possibilité de reprendre. Voilà,
dans tous les cas, tu pourras pas enlever tous les supporters. S'ils bannent pas Kalista, ils savent qu'ils jouent contre. Il n'y a pas, aucun doute à avoir. Et on va retirer le Rakan. Pic de réintroduction, Sunning sera la Kalista. S'ils ne la prennent pas, elle sera volée. On a retiré l'un de ses prédateurs naturels et le Varus qui arrive à tenir la lane contre. Mais après, Rogue Warriors, on pourrait enchaîner avec un Ziggs Leona qui pourrait tout de même menacer un tout petit peu la phase de lane. Mais la précédente s'est bien passée pour One Fang. Oh, Betty. Ah, Betty, s'il veut nous vendre du rêve, c'est maintenant. Alors, le match-up contre Kalista est totalement à l'avantage d'un Draven. C'est clair. Totalement. Ouais, t'en as parlé. L'envie, la facilité de répondre peut-être avec ce Ziggs Leona. Ça arrive à bien des pushes. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin. On a besoin de des pushes. Avec une Leblanc à la mid lane, on c'est en vrai. A besoin. Donc, c'est un très bon choix. C'est un très bon choix. Et le Draven aurait permis de dominer la phase de lane, mais n'aurait pas fit aussi bien dans la composition que ce que Ziggs Leona font. Côté Sunning, on va laisser ce Galio à la mid lane pour le match-up face à Leblanc et on va pouvoir prendre un support en gauge. On nous montre pour l'instant Alistar et Nautilus. Ah ouais, mais le Nautilus de Hon là. Bah, le bien Nautilus sûr. De Hon, on repart sur la même bot lane qu'à la game précédente. Hon nous avait donné une extrême satisfaction et on finit donc avec cette draft des bot lanes similaires. C'est surtout le top side qui a changé. Et le top side, c'est Bin donc qui va être contre un Jax. Alors, j'attends de voir exactement comment ça va se passer. Parce que dans le match-up précédent, Bin, sur les deux games, a réussi à prendre un léger avantage, qu'il a bien concrétisé en game 2. Mais c'était tout de même un léger avantage. Dans ce match-up, est-ce qu'il va réussir à faire la S'il même fait, chose? S'il le fait, c'est un petit scandale quand même. Hein. Mais c'est Bin, on va voir un petit peu justement la possibilité d'utiliser le E pour éviter évidemment la Counter-Strike. Mais derrière, c'est chaud dans ce match-up. La réponse était là hein, pour contrôler Bin, ce Jax qui sort. Et c'est vrai qu'on a bien temporisé la Leblanc avec ce Galio. Camille, il faudra être proactif. C'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'on a cette capacité de counter. On a ce Lee Sin, Leblanc. Il faut voir un petit peu comment va être utilisée la Leblanc. Et c'est peut-être la meilleure option des Rogue Warriors. Ouais. On a, dans le match-up direct, quand on regarde les match-up en 1v1 pur, du côté des Sunning, ça va. Leblanc contre Galio, ils ont une bonne réponse. Lee Sin contre Viego en 1v1 pur, on arrive à sustain, on arrive à s'en sortir. Par contre, dans le 2v2, le combo de Shen plus les dégâts que Lee Sin peut avoir en early game permettent de prendre le 2v2 à leur compte. Et c'est ça qu'on va devoir aller chercher pour les Rogue Warriors. Essayer de push la mid lane, d'invade Style of Me. Et Style of Me a toujours la fâcheuse habitude à ne pas laisser ses camps et à ne pas vouloir donner davantage à son adversaire. Donc on pourrait appuyer là-dessus. De plus, on a une Leona à la botlane qui sera avec un Ziggs. Donc le Ziggs va être laissé très tôt tout seul pour permettre à la Leona de roam. Et si le Lee Sin prend un peu d'avantage au début de la partie, il peut totalement prendre la game à son compte. Ouais, ça va être une des clés, effectivement. Et on est parti, game finale, game 3, pour décider un petit peu si les Sunning s'en sortent finalement. Et ça serait que anecdotique, certes, il faut laisser concéder le moins de game possible. On sait pas grave, du moment qu'on gagne quand même le BO, c'est le principal. Faudrait pas le laisser échapper, on serait vraiment en train de sécuriser de plus en plus sa position dans les playoffs. Quand même. Ah, il faut la sécuriser avant les très gros matchs qui c'est arrivent clair. En fin de saison. On a vu pas mal de fans avec des pancartes de Sunning. C'est sûr que je ne suis pas le seul fan de cette équipe après leur performance au World. Après, leurs performances habituelles, qui sont tout de même très très agréables à observer, qu'ils vont devoir confirmer une nouvelle fois. En termes de runes, petit passage tout de même pour préciser que le Galio est parti sur Aftershock, qui est une rune très habituelle face au Leblanc, que ce soit sur Lissandra ou sur Galio. C'est toujours pris pour pouvoir réussir à tanker la phase de Burst. Donc ça veut dire pas de Predator, pas de Grimoire déchaîné comme on a déjà vu. Ouais, plutôt en défensif total, essayer de contrôler un petit peu, mais le Burst il est déjà posé par Forge instantanément, qui lui a dit bonjour. Avec la petite phase d'agression, un tiers HP qui a sauté instantanément. Oh, les skins sentinelles juste en dessous. Ouais, tous ceux qui sont déjà classe. Disponibles. Ouais. Quel événement. Ouais. On a plus d'hélicoptère sur le Jax. qui forcément, face à un match-up mêlée, commence par ceci. Balayage tactique. Et on proc les potions de corruption. Déjà deux potions qui ont été utilisées à la mid lane.
Faire attention à ne pas prendre trop de pression hein, dans le match-up Leblanc contre Galio. C'est à partir du moment où les sandales de Mercure hein, sont obtenues par le Galio que ce dernier peut réussir à tanker les agressions sans trop de soucis. Avant, là, Leblanc a tout de même l'avantage du push, du poke, de la range qu'elle doit utiliser. Ouais, et elle le fait bien pour l'instant. Ouais, ces petits moments de trou d'air un petit peu défensif de la part du Galio. Et on va pusher Zidizi qui va mettre sous la tourelle tout de suite. Possibilité de se projeter pour prendre la vision au niveau du tribush. Le push est pour l'instant push top, push mid. Au bot c'est assez even, on l'a vu, ils ont essayé de se défendre. L'agression avait été posée, tu l'as dit, Galio tout de suite qui subit. C'est pas grave, mais forcer au back éventuellement TP tout de suite, hein, c'est ça. Ok, il y a un stun qui est passé. Bon trade pour Zidizi. Essaie de répondre pour Bin, mais le bailliage tactique ne touchera qu'à l'intérieur. Ce qui veut dire pas de régen supplémentaire. Et on a directement le Lee Sin qui se dirige vers le top side. On avait l'information que Viego était en train de faire les Corbin, mais il ne va pas se diriger pour protéger sa top lane, alors que le Lee Sin a des plans derrière la tête. C'est au final à la mid lane qu'on va passer en premier. Le stun ne passera pas, le stun passera peut-être, le stun ne passera pas. Petit rollback. Ouais. On nous a mis la pression, mais ça ne touchera pas, que ce soit la première ou la seconde fois. Ouais, au final, heureusement pour Forge, capacité de zoning extrême là sur Bin qui a bien compris évidemment qu'il se passait quelque chose. On deny complètement éventuellement la wave, mais il y avait un canon pour l'instant qui tank un petit peu. On attention sous la tourelle, très avancée. L'ignite qui a été claqué, est-ce qu'on peut suivre? Flash in bien sûr. Biu qui veut laisser absolument les ressources à Petit. First Blood et ça continue. Attention sur le top side, ça continue. On avait déjà forcé le flash de Bin juste avant. On force le flash de Style of Me. On essaye d'aller peut-être un tout petit peu trop loin sur ce Lee Sin qui ne va pas lancer son onde sonore parce qu'elle ne touchera pas. Donc on continue de forcer des flashs et pour l'instant les Laning Phase se passent à l'avantage des Rogue Warriors. On a dû avoir une belle glissade de Hun sur le bot side, un abordage qui a dû aller trop loin. Et quand on est sur une lane Kalista, on n'a pas envie de donner ces quelques ressources à un Ziggs. Il n'a pas besoin d'en avoir autant. Ouais, complètement. Et quel taf de la part de QQ là, qui est allé chercher évidemment le stun sans prendre la ressource et offrir sur un plateau le premier kill à son nappé carry du bot side. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas eu le replay, mais il s'est passé des choses en simultané. Hein. L'initiation, la rencontre dans la jungle qui s'est projetée. Et tu l'as dit, finalement, l'onde sonore a été contrée par la présence du top laner. Si, on l'aura peut-être. Alors là, non, on va voir. Ouais. C'est un abordage sous tour. Avec C4. Et il y a un coup de tour en trop qui est passé, même deux coups de tour. Donc, c'est et le flash et le kill. Oh, la petite bombinette. Ouais. Bon, c'est bien joué de la part de Betty hein, qui a été réactif sous la tentative d'agression de On. Ça fait un bac chapitre perdu contre un bac sceptre vampirique. La botlane ne se passe pas comme elle doit se passer pour les Sunning. Le reste des lanes, pour l'instant, est plutôt équilibré, même si on a des petits avantages aux farms qui ont été construits par les Rogue Warriors. Ouais, la réponse de Bin, on va beaucoup regarder avec l'observateur, forcément, ce 1v1 assumé avec un counter pick ZDZ normalement. Réponse en Jax, la Camille qui avait été inversée, on avait pré-shot une Fiora pour un petit peu taunt. Le changement de match-up. Et pour l'instant, effectivement, Galio dans sa phase un petit peu délicate de fessée du début de game. Ouais. C'était compliqué, hein. Il a été forcé au TP très tôt. Oh là là, et Style of Me qui va être vu. Ouais. Il va être vu par la ward. Il perd du temps, il le sait peut-être. La tristesse, forcément, il le sent. Le repositionnement de ZDZ qui n'ira évidemment pas sur son opposant. Quoique, il s'avance un petit peu pour mettre le stress. Et du coup, ça fait perdre encore un petit peu de temps. Alors, on a envie de push cette wave. On a envie de push cette wave pour Bin. On n'a pas d'informations sur le passing actuel du Lee Sin, qui après avoir fait ses loups va pouvoir se diriger vers le bot side. On a peut-être envie de faire ce dragon après avoir eu l'information que le jungler adverse n'était pas là. Mais on a tout de même un back qui a été forcé du côté de ZDZ. Oh, ce qui veut dire qu'il va perdre une très très grosse wave. Oh, ça c'est pas mal. La chaîne qui a touché, on a plus de flash. Ça passe. Pour Angel. Et le combo Lee Sin Leblanc qui arrive à trouver un petit pick-up malgré l'aftershock de Galio. On prend l'eau pour les Sunning. Ouais, on joue sur ses forces, on a la capacité de suivre comme ça avec le Lee Sin directement en lane qui est arrivé. Et les dégâts sont suffisants. Et attention, alors la projection c'est un Drake des vents hein, qui n'est pas priorisé pour le moment. On pourrait y aller, mais on préfère juste prendre le carapateur et retourner dans son cycle de jungle. On a un red buff à faire pour le Lee Sin. Pour être sur le timing ensuite, peut-être héros de la faille de l'autre côté de la map.
Ah, ça se passe vraiment pas bien parce que il faut que la Kalista prenne l'avantage au début de partie, ce qui n'est absolument pas le cas quand on voit la pression actuelle qui est mise par le Ziggs. Le Galio à la mid lane, il doit souffrir un tout petit peu, mais sur son deuxième bac, il n'a pas pu obtenir ses sandales de Mercure, donc il va continuer de souffrir pendant encore un petit temps. Et sur le top side, bah, le Jax arrive à répondre, arrive même à bien répondre, surtout qu'on ne va pas tarder à avoir les passages niveau 6 pour les solo laners. D'ailleurs, le Jax qui est déjà passé et qui va commencer à mettre du rythme, un rythme encore plus effréné. Ouais, c'est ce qu'on avait dit, hein, la capacité à contrôler les lines pour Rogue Warriors, laisser Xiao Hao s'exprimer en priorité. Et Style of Me avec son Viego pour l'instant cloîtré un petit peu. Et justement, pourquoi pas avec cette pente explosive, on va essayer d'y aller. C'est Fufu, c'est vu. L'abordage a été claqué sur QQ qui va être il la a pas cible de flash, il a prioritaire. Pas de flash. Ouais. Donnez le kill à Kalista. On a reset, l'extirpation avec un creep juste avant. Bien joué de la part des Sunning qui arrive tout de même à reprendre un tout petit peu de pression sur son bot side. Ouais, mais de l'autre côté, là-dessus, zéro timing, 8 minutes, on va répondre en cross map avec la possibilité, le Jax qui vient aider Xiao Hao avec la possibilité en plus d'être cover complètement sur la pression mid. Il va falloir la back pour Angel, il n'a pas le choix. Ouais, on a encore l'ultime de disponible pour Forge. On a vu. Un kill pour un héros. Un kill pour un héros, mais c'est un héros contre un Ziggs. Oui. Donc ça peut être à l'avantage des Rogue Warriors. On va tout de même prendre un premier dragon pour Style of Me. Il est tout seul actuellement sur la carte. Il n'y a personne qui peut le rejoindre à part un ulti Galio qu'on n'aurait pas vraiment envie d'utiliser pour ça. Donc le smite est utilisé. Dragon des nuages contre héros. Ça sera peut-être un peu utile dans la suite de la partie. Ouais, après le héros de la faille est beaucoup plus rentable si tu arrives à l'utiliser correctement qu'un premier Drake désert. Et on avait essayé de prendre carrément un red buff. C'était trop, c'était trop. J'ai vu la question dans le chat qui pose la question de pourquoi la Kalista n'a pas encore utilisé sa lance noire. Il faut savoir que ça prend pas mal de temps et surtout au début de la partie ça peut désactiver les home guards du support. Donc c'est rare que la Kalista utilise immédiatement sa lance noire dans la base. Et ensuite, vu qu'elle ne prend pas son Z avant d'avoir l'obligation de le faire, ce n'est pas nécessaire de le faire en lane. Alors, par contre là, elle a passé son niveau 6, donc il serait bien qu'elle puisse le faire. Mais c'est une petite perte de tempo que beaucoup de joueurs pro détestent et qui aimeraient bien voir retirer pour permettre à la Kalista de ne pas avoir de coûts à payer en plus pour pouvoir lier son support. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, elle lira bien son Nautilus. Oui, comme on a vu, hein, ça permet de faire le check, ça a passé très très bien pour permettre une voie de sortie à on. Mais c'est vrai que pourquoi pas juste réduire et faire un mini animation au début, parce que c'est vrai que finalement tu retardes totalement ton arrivée sur les lanes. Ouais, c'est ça le plus gros problème. Et si tu veux l'utiliser après que tu sois arrivé sur la lane, t'as tout de même un moment où ton support il ne peut rien faire. Et ouais, alors t'as d'abord toi ta propre animation qui dure 3-4 secondes, puis après t'as la sienne qui dure 3-4 secondes. Et sur une phase de lane, si tu ne bouges pas pendant 4 secondes, forcément tu vas te faire agresser. Mais là, il l'a utilisé, et c'est pour ça que ils ont perdu la prio sur cette wave parce qu'il a utilisé la lance noire. Voilà. Riot veut laisser, pourquoi pas, un mini deny sur cette faculté-là. Attention, on l'a vu, ils sont repérés à 3, pour l'instant pas repérés, je veux dire. Derrière le C4, et finalement, Wenfeng qui sera repoussé vers la river. Quel beau sidestep de la part de Wenfeng. Le Lee Sin qui reste, il a absolument envie d'utiliser le héros de la faille sur une lane de Ziggs, mais il va back. Style of Me qui va faire son entrée désormais sur la bot lane. Et on va pouvoir avoir le push pour Wenfeng, qui a réussi à avoir son avantage au farm, comme on le souhaitait. Pour l'instant, celui qui passe la pire phase de lane est tout de même Angel, qui ne peut pas du tout se rendre disponible pour faire quoi que ce soit sur le top side, qui ne peut pas... farm tout simplement à sa mid lane et qui va perdre petit à petit des points de vie sur sa tour. Ouais, ça c'est la lente agonie un petit peu de la phase de lane, pas facile. On joue pour le collectif et on encaisse. Tiens, ciao. Un point très intéressant qui m'étonne un peu, mais qui est important de noter. On a presque 30 creeps d'avance dans la jungle pour Style of Me avec son Viego. Et
on était sur une game où si Lee Sin pouvait prendre de l'avance, c'est il pouvait réussir à influencer la mid lane, la bot lane. Mais on a peut-être perdu du temps sur certains timings à vouloir absolument gank alors que ce n'est pas passé. Et on continue à très très bien faire pour Style of Me, qui va peut-être réussir à carry un peu plus que prévu avec son Viego. Ouais, on l'a dit, hein, c'est une des portes de sortie, mais pas que. Mais c'est vrai que ça pourrait changer totalement la donne dans la... Oh, le taunt. Oh, le bump qui est trouvé également. On a la distorsion 2 à peut-être utiliser. Mais le combo, malheureusement, ne passera pas parce que le passif de Leblanc aura empêché la réactivation de l'abordage. Oh, sur le top side, je me demande si c'était volontaire ou s'il a tenté un ward trick. Ouais, ça se trouve. Ça ressemble beaucoup à un ward trick. On force la téléportation de Forge pour être sûr que ça touche, mais on a un décalage également de la part de Style of Me. Tous les Avengers qui arrivent sur le top side et Style of Me va tomber sous les coups de ZZZ avec la téléportation de Betty. On est dans le mal pour Bean. On a un kick. Il va peut-être intercepter. Ouais, voilà. Retourne de là où tu viens. La chaîne qui est utilisée. Et tout le monde qui lui saute dessus. Bean va tomber. Mais le héros de la faille n'aura pas chargé. Betty sera là pour mettre des dégâts. Mais peut-être pas pour terminer le tour. C'est un zig qui la terminera. Ouais, normalement, on a l'avantage Ziggs. De l'autre côté, on essaie de répondre à un maximum de plates pour la Kalista de Wenfeng. Mais ça sera trop bien tôt. Évidemment. Oh. Ça a été utilisé trop tôt et on va attendre le cooldown qui arrive d'ici 2 secondes. Et il va prendre la première tour de la partie quand même. Une partie des golds ira vers le Lee Sin. Oui, qui en est pas bien content. Mais allez, du côté de Wenfeng, on récupère pas mal de ressources. On récupère pas mal de ressources sur ce timing. On va revoir le play stop. Style of Me qui prend le Carapator rapidement. Ils viennent tous et là c'est QQ qui prend l'info directement. Et l'éruption solaire, tout est mis. Et là la rota de CC, elle pardonne pas. Pas de porte de sortie pour Style of Me qui était frustré, on l'a vu sur la cam. Et effectivement après, là on voyait que déjà le héros de la faille avait été retiré. Donc qui n'avait pas tapé. Il est un peu énervé finalement, l'insec avec le flash. Et derrière, repositionnement, il est seul au monde. Tout le monde était sur lui. Et on récupère la tourelle top. Oh, Style of Me qui est bien positionné, qui n'a pas été vu. On a toujours un ulti Galio à utiliser. Bon, ça c'est celle de la part de On. La téléportation, c'est celle de Bean pour pouvoir utiliser. QQ qui va être pris à partie, mais on a ZDZ qui est là. L'éruption solaire ne va toucher personne. Wenfeng qui est bien positionné. L'ulti de Galio est bon. Et il va falloir tuer ce Jack le plus rapidement possible. Le Jack s'est tombé. C'est un shutdown dans les mains de Wenfeng. La Kalista qui récupère toutes les ressources. Double kill pour Wenfeng. Et c'est un Drake normalement. Oh, possibilité, pas, il y a un monde. Lâche ce dragon. Ouais. Voilà. Le fameux, lâche ta main. Voilà, c'est deux dragons pour les Sunning qui recollent un tout petit peu au gold et qui vont mettre tous les kills dans la Kalista de Wenfeng, MVP à la game précédente. Allez, tu nous fais la même performance, double MVP aujourd'hui. Ça y est, on a sorti évidemment la mascotte préférée de Zero. Il y a le Wenfeng qui est là pour peut-être permettre... Et finalement, de simplifier la game avec cette phase de regroupement, c'était parfait pour lui. Il récupère double ressource. On l'a vu, il arrive par derrière avec la plante explosive. Il se met en position. Et regardez-moi ça, la temporisation. L'entrée évidemment de ce Galio qui a subi tellement fort sur la phase de lane et qui permet d'offrir un petit peu le teamfight, la temporisation. Et là derrière, Style of Me, je crois, avec une Counter-Strike volée sur le Jax qui permet ensuite d'aller continuer le fight. Est-ce qu'on peut répondre avec un héros de la faille, le deuxième des Rogue Warriors? Le premier n'a pas touché finalement. Le premier n'avait pas touché, mais l'objectif était de prendre la première tour de la partie. Ouais, ils sont adaptés. Ouais, voilà. il est allé au bout. Petite tentative peut-être de Style of Me sur le top side. Sa brume aura été repérée par Forge qui avait la vision à cet endroit-là. Petite ward qui est posée pour avoir l'information. Mais on sait exactement où est Style of Me. Et la vision va être deny. On est en train d'en deny sur le bot side. Vu que toute l'équipe des Rogue Warriors est au top. Bon timing pour récupérer la vision et protéger le speed push de Bean, ce qui va forcer ZDZ à reculer. Ouais, il faut terminer cette bot lane, ça va être fait. ZDZ qui sait qu'il respecte la tourelle, il y a trop de creeps qui sont en train d'arriver. Oh, on a un avantage de stuff. Quoique, on a des Tabi Ninja pour le Jax, du coup on a gagné le match-up. Ouais. Mais on est déjà le pourfendeur divin sur les deux du topside des Sunning, vu que le Viego l'a également récupéré. Pour Fender qui reste évidemment une belle solution pour les corps à corps. Alors on a déjà de l'antil pour ce Ziggs. On l'a pris très tôt, vu que c'est l'objectif également de Wenfeng,
avec son stuff, mais on va partir en deuxième item sur un au bout du rouleau, qu'il faut résister à Ziggs, qu'il faut résister à Leblanc. Oh, et justement, celui qui n'y résiste que très peu là, c'est On qui vient de prendre un sacré chunk. Il aura tout de même forcé l'ultime de là, Leblanc, qui peut mettre un tout petit peu moins de pression, mais qui va se le permettre. Ouais, il peut encore le faire. Attention, on va avancer sur cette wave là. Est-ce qu'on peut récupérer la tourelle? La défense semble compliquée quand même avec une Kalista. Voilà, l'explosion du Ziggs. Alors la défense, on en reparle de cette défense. Il n'y avait plus de défense, il n'y avait plus de possibilité de faire quoi que ce soit. Le Ziggs a juste terminé la tour. C'est trop simple quoi. C'est très très simple sur ce timing. Et ça fait tomber la tour à la mid lane, ce qui est une grande victoire. Ils permettent également de prendre l'avantage au gold et de prendre l'avantage en tour dans la partie. Et on va continuer de regarder ce match-up désormais bot entre les deux duellistes, entre les deux split pushers, vu que ça m'étonnerait pas que le Jax ait récupéré son item. Ouais. Ouais, là ça fait mal. Hein. Les bots plus le Divine Thunderer maintenant complété. Il a même fait un cull hein, pour farmer un maximum. Zidizi, il en a l'habitude maintenant. Face à Bean, je sais pas s'il est en confiance absolue. Il a un counter match-up, oh. Il peut essayer d'y aller, mais c'est chaud. Au final. Alors, on est passé de l'Orbe de l'oubli à directement Morello pour ce Ziggs. Oh, ça fait beaucoup de gold qui viennent d'être utilisés. Et ça le mettra très très bien pour les prochains regroupements. Parce qu'avec double pourfendeur et un arc bouclier immortel, le Morello a une value immédiate. Pour ce Ziggs qui va vouloir camper la mid lane, juste des push. Et menacer la... Oh, Style of Me, on est passé où là? La chaîne qui va connecter. Forge qui va finalement s'arrêter là. Il n'a pas plus d'informations que ça. Il le sait, il met la pression mid-life. C'est déjà ça. Sa team, du coup, va en profiter pour prendre également une lane qui était un petit peu laissée pour compte. Et là, c'est problématique pour les sunning de cette fée chunk, le jungler. Il y a un Drake bientôt. Vu qu'on ne peut pas contester le bot side, on ne peut pas contester la mid lane à cause du Ziggs. Et sur le top side, on ne gagne pas dans un 2v1 rapide. Ça veut dire que toute la carte est Rogue Warriors. Allez, ce blue buff Betty, il aura tout de même niveau 11 pour ce Ziggs. Timo pousse encore une fois. À peu près le 14e qu'il met dans ce BO. Ouais. Mais là, il est bien. On est bien et tout de même pour Wanfeng, le haut bout du rouleau a été complété. Il va pouvoir résister à l'agression de Leblanc et de Ziggs. Mais il est un peu solo DPS pour l'instant. Et il va devoir faire un teamfight exemplaire pour pouvoir réussir à faire gagner son équipe. Il a ses deux summoner spell, il a son ultime, il a un gros Nautilus. Et il va devoir bien l'utiliser. Ouais, il y a les summoners qui sont up, le Drake est là pour l'instant, vision pour les sunning, ça n'a pas duré longtemps, on essaie de reprendre la prio, mid est décalé vers le Drake, phase de poke qui peut être intéressant, hein. Betty qui va essayer de, évidemment, voilà, de ça touche, distribuer avec la comète, ça attention, Zizi, il attend son ça dernier touche moment. Style of Me, on va tenter l'ultime du Galio, l'ulti Leona ne passera c'est sécurisé. Pas, c'est sécurisé par Style of Me, dans la backlane, on a Forge qui met pas mal de dégâts, Style of Me qui va réussir à s'en sortir, Bean et Style of Me qui sont out, on tente tout ce qu'on peut pour réussir à s'en sortir, on va y aller. Désormais pour Sunning, c'est un kill supplémentaire pour les Rogue Warriors, premier kill de ce fight, pendant que Style of Me aura réussi à back, Wanfeng, le flanking, la possibilité Counter Strike là-dessus, la chaîne qui va passer, kill directement pour Forge. Ouais, ça aurait été bien de réussir à faire plus de kills que ça. On a perdu le Drake, on a réussi à essayer de désengager un maximum côté Sunning. Là-dessus, zéro, c'est pas bien grave entre guillemets. Ça on a ce Drake. Ce que ça coûte, parce que si ça coûte un Baron Nashor. Ah, je sais pas quand même. Hein, ils vont le tenter et ils peuvent le tenter. Il n'y a pas d'ultime sur Galio, mais on a un ultime de disponible sur la Camille. On va tenter de flip le Nashor. Parce qu'on peut, on a l'avantage. Loin, on reprend la vision. Beaucoup des golds sont concentrés sur Wanfeng qui est encore mort pendant 3 secondes. Le temps qu'il arrive dans le fight, il sera terminé. Angel pour un taunt, peut-être peut pas go in. Style of Me, il n'a pas d'ultime de disponible, il n'a pas de flash, il n'a pas de Nashor. Et au final, on vient contester pour mourir devant Forge, le Baron Nashor. Et Forge qui va pouvoir récupérer un kill supplémentaire. C'est un doublé pour ce dernier. Oh, il va tomber derrière, mais il a temporisé pour son équipe là-dessus. Zéro, on peut essayer de se projeter. L'éruption solaire sur On qui peut disengage. La counter strike est terminée. Dans un deuxième temps, l'extirpation, ça va pas passer. Oh non, c'est du suicide. C'est du suicide. Style of Me va tout de même tenter. On a un counter strike. Il va go in. Il va tomber.
mais bien évidemment c'est un Ziggs, il aurait réussi à toucher ses Q-Spell pendant que Wenfeng continue de multiplier les spears. Malheureusement On ne touchera pas le Q-Spell, il y a Lissine qui va y aller et Wenfeng qui peut toujours installer son DPS. On n'a pas de kick disponible sur le moine aveugle et Wenfeng continue de faire jouer ses spears. Heureusement qu'on a utilisé la plante. Fin du fight, 3 kills pour les Sunning, uniquement 2 pour les Rogue Warriors, mais ils avaient tué plutôt le reste des membres de l'équipe de Sunning. Donc en termes de gold, en termes de tempo, tout de même avantage aux Rogue Warriors qui récupèrent le Baron Nashor. Ouais, Nashor complété, ça c'est important. Quelques porteurs qui subsistent, Bin qui se fait récupérer. Et derrière, bon, on était lock puisqu'on avait claqué sa temporisation. Forge, malgré son clone qui s'en va, la tristesse. Derrière, on complète ce Nashor, on essaye de sortir et de repartir au combat. On, heureusement qu'il sort parce qu'il se serait fait atomiser. Et là, l'arrivée de Wenfeng dans un deuxième temps, l'extirpation qui ne suffit pas. C'était si dangereux. Oh là là, ouais. C'était si dangereux, mais heureusement. Enfin, malheureusement, sa Counter-Strike n'a pas touché. S'il l'avait réactivé instantanément, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose. Oh là, il y va. Oh, le kill qui est fait. Et là, on a peur quand même de Wenfeng, qui était en train de stacker les extirpations, qui dansait bien, hein, qui évitait un maximum de spells. Et attention, parce qu'on va rentabiliser ce baron powerplay sur la middle lane. Porteur, il y a au moins donc Chao Hao et il me semble Betty minimum, ouais. Ouais, ce sont les deux qui l'ont encore. Dans tous les cas, on allait vouloir jouer ce baron Nashor en 4-1. C'est juste dommage que ZDZ n'ait pas pu le garder. C'est vrai, un bon kill de Style of Me qui au final a donné son corps pour empêcher ce 4-1 un peu plus tard. Et on voit que ça complique tout de même l'avancée des Rogue Warriors. Ah mais ping, c'est un peu sur fortement bot side. Ouais. Au niveau du bot, vu que la wave a été préparée. Il a besoin d'un porteur, ça y est, ça arrive avec Chao Hao. Les T2 là-dessus, zéro habituel avec ce Nashor. Complété, on a un Ziggs en plus de ça. C'est trop facile. On avance, on va peut-être ensuite se reprojeter. Voilà, la team, on laisse directement ZDZ. Il a plus besoin du buff. On a pris, on a fait le décalage, on reprend dans la jungle. Possibilité pourquoi pas de mettre la pression. Ils sont quand même trop, attention. Non, c'est, pas mal, c'est pas mal pour l'instant. On qui est forcé de reculer avec ce C4. Tentative d'engage de la part de Angel. L'éruption solaire ne va toucher personne, mais la méga inferno bombe va faire reculer les Sunning. On aura utilisé l'ultime de cette Kalista. Forge qui continue d'installer son poke. Et malheureusement, comme le trade ne sera pas passé comme explosion. Les Sunning le souhaitaient, oh, la T2 qui va tomber. C'est un Baron Nashor aux alentours de la 20e minute, qui force des T2. Pour l'instant, c'est exactement ce qu'il voulait. On a failli glisser, mais on se sera rattrapé. On back pour pouvoir jouer le prochain dragon d'ici une quarantaine de secondes. Ouais, le timing est parfait. On prend les T2 avec ce Nashor, avec un Ziggs. Et comme ça, on améliore la rotation, le reset pour s'équiper et reprendre finalement le momentum, puisqu'il va falloir aller se mettre en place du côté de la river devant ce Drake, t'en as parlé, puisque là il faut absolument contester, ça serait dramatique. 4 Drake à 0 avec une soul des océans pour les phases de teamfight des Sunning. Bin qui a trouvé un peu de vision. On va essayer de rentrer dans la rivière pour les Sunning. Ils ont envie de tout jouer ici et c'est totalement logique. Il faut faire attention au poke d'un Ziggs, à l'engage qui pourrait être essayé. On va tenter d'engager sur Style of Me. Mais On qui arrive à trouver une bonne engage bien temporisée, ce Jax qui n'a plus de Counter Strike. L'ulti de Galio est sensationnel au milieu de la mêlée. Pour l'instant, personne n'est mort, mais les Sunning sont bien en place. Quelle coordination dans cette équipe! Il n'y a plus d'HP sur ce Jax, mais on ne peut pas le last hit. Forge qui tente la chaîne qui ne passera pas. Back TP disponible pour Bin. Back TP également disponible pour Angel dans quelques secondes. S'il veut l'utiliser, aussi. Il va falloir re-engage. Il va falloir re-engage instantanément pour les Sunning. Ne pas laisser le temps à ce Jax. Oh, sur Forge. Faites-la tomber. C'est le kill pour Bin. C'est un 4v5 désormais. Ouais, on va pouvoir y aller. La re-engage d'Angel est parfaite. Et on a un Jax au milieu de la mêlée qui ne va rien pouvoir faire. Qui va tenter tout de même. C'est un Counter Strike sur 4 personnes. Et on a le DPS derrière de ce Ziggs qui tente, mais qui n'y arrivera pas. Les Sunning vont gagner le fight. Et Style of Me, ah, ça arrive toujours pas sur les supports, hein. Même quand il joue Viego, ça ne touche pas avec sa Leona. C'est un ace après ce magnifique teamfight des Sunning qui vont obtenir l'âme des océans. Heureusement que la coordination et que la communication au sein de l'équipe est de cette propreté. Ouais, et on se cherchait hein, une stabilité côté Sunning. Et si ça marche bien dans le collectif et que l'exécution est bonne, ces phases de teamfight, on sait à quel point elles sont importantissimes pour garder un haut tableau et des playoffs. Et on le verra dans les BO5, c'est important.
pour leurs playoffs qui ont l'air de se mettre en place. Et on l'a vu, hein, tu l'as dit, l'arrivée est finalement Counter-Strike, mais pas assez de dégâts de burst pour terminer au moins une ou deux cibles. On peut enchaîner, On qui ressort, et là c'est parfait. Bon, il a tenté le flash-in, ça passera pas avec le clone de la Leona. Ah, il faudra quelques games de support supplémentaires avant de pouvoir toucher ce genre de flash-in. Non, je crois pas. Pas mal de kills qui ont été récupérés par Bean, ça m'étonnerait pas. Je crois qu'il en a récupéré 3 sur ce fight avec la Camille. Ils sont tout de même encore derrière au gold, mais ils ont une âme des océans contre un Ziggs. C'est inespéré, c'est vraiment très très bon. Et on a les 3 items sur la Kalista de Wanfeng qui a récupéré son flash. Désormais, il faudrait réussir à faire tomber des tours. Enfin, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque pour les Sunning pour recoller au score, recoller au gold. Ah, ils reprennent totalement la vision. Et tant qu'il y a tous les summoners qui sont up, hein, notamment les ultimates, hein, à partir du moment où Angel peut cover sa team, quand On peut évidemment ultimate, revenir avec l'appel du destin, Dodge, du moment qu'on peut peel Wanfeng, ça passe très très bien. Style of Me qui attend son moment. Il a sa stopwatch de disponible dans le fight, donc il peut temporiser. Il y a un GA sur Bean, il temporise également. Stopwatch qui avait été claqué par Angel, il me semble, il l'a pu. Ouais, on n'a plus de stopwatch sur Angel, on a plus de stopwatch également sur Betty, qui est vulnérable à une engage de Camille Gallio. Forge qui va tenter son petit poke habituel, celui-ci passera. Et tu l'as dit, Forge qui est tombé tellement tôt hein, dans ce fight, après on l'a récupéré, le target était bon. Oh, on essaye de mettre des dégâts sur Angel encore, qui est désormais bien tanky, hein, malgré son stuff full AP. Forge qui n'arrive pas à mettre des dégâts conséquents. Ouais, quelle bataille pour la middle lane. Est-ce qu'on va enfin reculer? Le Nashor est là, il va trop facilement. C'est tout l'intérêt, mais là on a un gros avantage, c'est qu'il n'y a plus de T2 carrément à la mid lane pour les Sunning, alors que les Rogue Warriors peuvent toujours être très avancés. L'éruption solaire qui va être tentée, mais On va bien réussir à la juke. On a encore l'appel du destin qui va être utilisé, mais on va pouvoir aller sur Wanfeng. Wanfeng qui arrive à DPS, et c'est sur Lee Sin, et Lee Sin qui va normalement tomber. Le kick est très très bon pour temporiser, mais l'extirpation viendra tout de même à bout. Bean qui a un accès à la backlane, qui a un accès à Betty, et il va le prendre en 1v1. Oh, c'est pour les Sunning qui aura été utilisé, et on va réussir à trouver une réengage sur Zig. Easy. Vas-y Jax, prends notre Nautilus, on prend ta vie, le Nashor, la tour, et on s'en va vers la game et vers la victoire. Ouais, il reste plus que Forge là-dessus, qui va tristement essayer de dépoche la middle lane tout seul, ça paraît trop complexe. Quelle phase de jeu encore une fois, c'est eux qui se font engage, c'est eux qui reversent un petit peu le fight. Et la capacité pour Wanfeng de systématiquement faire un double kill. L'extirpation, on sait que c'est incontestable. Le blanc cherchera rien. Quelle phase de jeu. On prend l'objectif derrière. On est en train de revenir totalement dans la game. Égalité en termes de gold. C'est parfait. Les Sunning ont peut-être définitivement fait finalement. Ils ont fait le plus dur. Ils ont réussi à revenir. Ils ont désormais un Nashor et ils vont pouvoir ouvrir la map. Oh là là, ils prennent les c'est l'objectif dormantes. Principal. Ouais, tranquille. Et encore un fight où malheureusement l'éruption solaire se retourne contre les Rogue Warriors. Vu qu'on arrive à re-engage, on a l'aftershock qui proc. Hein. Dès que l'aftershock est fini, on utilise l'appel du destin. Et là, on focus. Regarde la rotate CC sur le lit. Style of me. On peut pas jouer. Et Chiao Wao, il disparaît. Par contre, Bean qui arrive à trouver un solo kill dans un teamfight pareil, c'est un fou furieux. Il est trop trop fort sur sa Camille. C'est clair. Ouais, lui aussi, il en a une. Il est en train de la montrer. Et la ZDZ malheureusement qui temporise mais un peu seul hein, dans ce fight là derrière, récupéré au fur et à mesure, tu l'as dit, on prend un support et derrière eh bien, c'est terminé. On va pouvoir jouer en speed push parce que cette fois le speed pusher a un baron Nashor contrairement au baron des Rogue Warriors. Donc on va réussir à mettre la pression au bot et la pression au mid. Le Ziggs il va pas a du mal à des pushes désormais. Voilà. On va pouvoir prendre la T2 bot, mais attention la T2 top qui va peut-être être trade. Sur ce mouvement du Jax. Il va push la T3 après. Hein. Ah, ça m'étonnerait que Bean s'arrête en si bon chemin. Ouais, complètement. Complètement, ça va avancer avec sa team, la possibilité de prendre les T2. Il va laisser une T2 top, mais regarde ça, il va se projeter. La possibilité de pick-up, parce que pour l'instant, le Jax n'est pas là. On voudrait forcer éventuellement une TP juste après la T2. On va faire le siège. La Camille qui est repartie bot side justement sur la T3. Et Angel, il va y aller immédiatement. On a la téléportation de Zizi qui est utilisée pour pouvoir défendre. Et c'est un 4v5 il veut à l'avantage des Sunning. On n'a pas de flash pour Angel. Il paraît condamné. On aura été présomptueux. Par contre, cette purge aura permis de s'en sortir. Ouais. La tour au bot. Oh, il va la prendre. Et il peut sortir avec son E derrière. Quoique, il est contrôlé.
Ça glisse, ça glisse. Ça essaye de s'en sortir. Le maillage tactique qui est bon. Style of Mickey essaye de protéger son top laner. Mais ça glisse trop. One Fang, que peux-tu faire en 2v5? Est-ce qu'il peut le faire? Il n'a plus de purge. Il a encore un flash. Il temporise beaucoup. Il saute dans tous les sens. One Fang qui va tomber au final sous les coups de ZDZ. Et il reste désormais Style of Me et On en 2v2 contre le top side adverse. Il continue. Diego. Le triple kill peut-être là-dessus. Il va attendre la Counter-Strike. Est-ce qu'il peut y retourner? Ah, on attend Style of Me. ZDZ a l'air tout seul. Ultimate pour se rapprocher. Ouais, l'abordage, non, il y a des creeps devant, la TP qui est là, zéro, parce qu'ils sont tous morts. Est-ce qu'il peut pas juste aller finir? Ils vont finir là. Ça va être l'objectif, ça va être l'objectif. Ça glisse dans tous les sens. Ils ont le baron, ils peuvent. C'est tellement difficile. On a un ange gardien désormais sur le Jax, qui ne va sûrement pas hésiter à go in. La tour est tankée par On. La tour est tankée par On. Zizi qui attendait son allié. On est en 2v3. On essaie de mettre un maximum de dégâts. Angel qui va bien temporiser. La téléportation de Bin qui va rejoindre le fight. L'entrée héroïque également. Mais on a une Minga Inferno Bomb qui va mettre pas mal de dégâts. Mais Style of Me qui n'est pas encore tombé. C'est au final sous les coups de Jax que ce Viego va tomber. Bin qui tente tout ce qu'il peut. L'ange gardien va tomber. Bin va prendre le kill sur Chouchou. Mais malheureusement, Betty aura les dégâts suffisants pour faire tomber le top laner Jessening. Angel, dernier rempart ZDZ après cette tentative de fin de partie. Mais il tombera, il n'a pas de flash. L'hélicoptère est lancé et l'hélicoptère a bien atterri sur le Galio. Ouais, mais attention là, puisque c'est quoi? C'est un Elder qui apparaît. Le timing en haut, il a bugué à une seconde, mais il y a un Elder qui est up. Et est-ce qu'on peut pas juste aller finir? Non, c'est catastrophique ce qui se passe vu les timings. Il y a Wenfeng qui est tout seul, mais une Kalista peut pas vraiment défendre. Est-ce que c'est vraiment la fin de la game? Il reste une vingtaine de secondes. Est-ce que les Rogue Warriors ne vont pas faire la même erreur que les Sonic viennent juste de faire? À la grande différence que eux, ils ont un Ziggs, eux, ils peuvent aller plus vite. Wenfeng en 1v4 pour l'instant. Il va tenter, mais on l'ignore. Pour l'instant, la stopwatch est utilisée. Le C4 aura déjà été utilisé. Et ils vont faire la même erreur. Ils vont faire la même erreur que les Sonic ont fait. Triple kill. Et Wenfeng qui va récupérer tous les kills les uns après les autres. Non, ça sera Style of Me. Il n'y a pas de téléportation pour aller terminer la partie. Mais il y a bien un Elder Drake à aller prendre. Les Rogue Warriors qui font la même erreur que les Sonic. C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? C'est ils ont fait leur va-tout. Alors qu'on passait d'une fin de game Sunning à du grid, on prend les kills, on va de l'autre côté sur les T4. Et maintenant les timings, c'est à nouveau du côté des Sunning. Oh les gars, pourquoi vous faites la même chose? Allez faire l'Elder Drake. Il est là, il te permet de gagner sur le fight après. Mais voilà, allez le faire au lieu d'aller chercher à terminer la base. Vas-y Bin, si tu veux vraiment une tour, prends une tour. Vas-y, prends là, y a pas de souci. Allez offerte par la maison, mais allez faire cet Elder Drake. Et faites attention à ne pas vous faire backdoor. On n'a pas de téléportation de disponible. Quoique, on a la téléportation Betty. De Betty. On a la téléportation Betty, de Betty. Il va pas y aller tout seul avec Ziggs là. Et c'est un Ziggs. En 3 auto-attaques, y a plus de Nexus. Ouais, mais là, il pourra pas. Il va pas le faire. La ZDZ, effectivement, sa TP était pas encore up. Elder complété là-dessus, 0. Alors, on va revoir le fight précédent. One Fang qui avait acheté une stopwatch pour ne pas se prendre la Counter-Strike et qui va flash-in pour pouvoir terminer 2 kills à la fois, forcer le Zonia d'un Ziggs et le tuer immédiatement après. Le fight de One Fang était excellent et a permis à protéger la base des Sunny. Il était dans la jungle, hein, il a back au dernier moment en attendant ses mates. Il savait que s'il crevait tout seul devant, ça serait compliqué. Pourquoi on va pas juste à l'Elder au moment où justement les Rogue Warriors peuvent reprendre la map? Regarde Forge. Ils essaient de finir. Regarde Forge. Il sait exactement ce qu'il a envie de faire pour terminer la partie. Le Nexus est à nu. Et il veut y aller peut-être avec le bait de ZDZ. Lui, il a été vu. Il fait semblant de reculer. Il attend d'être évidemment pas révélé par la wave. Oh, les Sunning, ne vous faites pas avoir par ça. J'espère qu'il y a une ward dans la jungle. Pour l'instant, il y en a une. Là, Leblanc est en train de passer. Il va être vu. Il va être vu parce que c'est. Regarde, cette fameuse ward qui va révéler les plans. Il n'y a pas de TP. Il n'y a pas de TP chez les Sunning pour l'instant. Et les Sunning se font avoir. Ils ne vont pas pouvoir démarrer ce baron Nashor. Il attend que la wave passe et regarde ça. Il a pingé le fait de pas être vu. Il peut redash sur la lane. Ah non, j'ai cru qu'il était passé à travers le Non, il va attendre. Ouais, mais pour l'instant, le problème, c'est comment repasser. Il faudra une distorsion dans l'axe, éventuellement. Et il attend son moment, j'ai l'impression qu'il essaye de trap. Il va attendre la forge. On ne sait pas où est cette Leblanc. On ne sait pas où elle est. Et on sait qu'il y a une téléportation disponible désormais sur Jax et sur Ziggs.
Oh là 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 là, cette pression, l'observateur qui sait, il est pas vu, il est passé le long, Angel peut-être dans le fog, voilà, il l'a vu, voilà, non, le flash in, ça va TP, vite, sauvez Forge, il a réussi à trouver la tenture de personne, mais on va focus sur Nexus, allez, tuez-le, on est à l'entrée héroïque, la entrée héroïque, strike, mais ça va passer, non, et ça exulte du côté des Rogue Warriors. La phase d'échec qui est géant, qui est remporté, et ils sont quasiment champions du monde contre les vice-champions. Oh, la strat qui passe, et tu l'avais senti, je te sentais tellement stressé. Il est passé, il a flash pour aller dans la base. Oh là là, c'est des émotions comme ça que vous avez en LPL, bien sûr. Oh là 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 là. Et enfin, ça exulte du côté de la Chine sur une stratégie comme ça. On perd le mieux contre les... Mais vas-y, mais comment ? Pourquoi ils ont grid dans cette base ? Pourquoi ils sont allés si loin ? Il back si loin, tu le savais, tu l'avais dit. Le Jax qui TP, la Counter-Strike pour laisser tout rentrer, mettre des auto-attaques, y aller avec... Il y avait un Elder, ils peuvent pas le tuer. Oh, je suis dead. Après les IG qui avaient fait n'importe quoi, la TP qui avait été call, ils s'étaient fait backdoor comme ça. Bah, ils gagnent sur deux backdoor. Tu te rends compte que les Sunning respectent pas. Ils se font avoir. On pense qu'ils vont repartir dans la base adverse. Ils prennent pas l'Elder. Ils se font récupérer. Ils forcent sur les T4. Et derrière, c'est finalement les Sunning qui attendent, qui tempo la game. Oh là là. Et cette Leblanc, pas vu jusqu'à quasiment la base. C'est. J'ai perdu 0. Non, mais c'est vrai que ce coup-là est... les fins stratèges. Tu dis, c'est ce fameux bottom 4 qui fait un backdoor. On vient de battre les top e-sport, les Oh My God et les RNG. Et on perd contre les... J'avoue, je ferme ma gueule parce que c'est vrai que top e-sport qui s'est fait reverse par Sunning. Donc, Rogue Warrior supérieur à top e-sport. Bah, Rogue Warriors sont sur deux victoires. En plus, tu t'étais foutu un peu de ma gueule tout à l'heure. Je crois que je t'avais entendu parler des équipes rouges et du coup, on va les reverse. T'avais dit bah deux ouais. fois parce que c'est... tu t'avais fait un petit, une petite passerelle ouais. avec ton siège. Une petite passerelle entre Rogue Warriors et TES. J'étais pas tout à fait d'accord. Mais alors que mais tout non, était mais fait pas pour que à 14 Warriors. Juillet, t'avais Zero Tick qui attendait pour avoir la troisième game et il doit commenter le backdoor. Et ça, c'est... Je te respecte sur ça déjà. Oh là là, mais du coup, enfin le reste du planning des Sunning, il est compliqué désormais. Mais je suis en train de dire, normalement, c'est un BO pour eux pour commencer à se placer dans les playoffs. Mais ouais, mais ça fait si mal. Ça fait si mal pour la course aux playoffs. Et les Rogue Warriors, bien évidemment, on est encore loin d'être éliminés pour la course. On arrive à remonter petit à petit. On revient à égalité de victoire avec les Invictus Gaming désormais. Donc on remonte petit à petit. Trois, tu parles des IG, ça me fait mal quand tu commences. Ils vont jouer encore contre les Thundertalk. Est-ce que les Rogue Warriors, avec l'ajout de leurs deux rookies, vont réussir à faire une remontada exceptionnelle? Parce que là, on voit que eux, ils ont exulté après une game si tendue, réussir à s'en sortir. Beau, ça c'était beau parce c'est que insane. Ils réalisent ça, on sentait qu'ils ont exulté, mais de l'infini. Regarde la courbe, évidemment. Forge MVP sur ce scénario. Je sais pas qui tu mets MVP. Il y a Betty peut-être avec ses 34k damage. Mais putain. Bon, moi je donnerais limite Forge parce qu'il a réussi à jouer le fog comme ouais, un malade. Sur la fin, la fin il a fait un bon taf et il a tout de même fait son travail de Leblanc dans la partie. Il a mis une bonne pression au Galio au début de game. Donc on verra bien. Hein. Mais. Bon, ce qui est bien d'un côté, c'est que comme on est sur Shanghai, on va avoir l'interview d'un joueur de Rogue Warriors et on va pouvoir plus d'informations, comment s'est passée la communication dans la fin de cette game absolument haletante, où une équipe a voulu grid pour terminer la partie, puis une autre équipe a voulu terminer la partie. Double grid. Mais eux avaient réussi à prendre la dernière tour Nexus. Et en jouant en 3 téléportations, ça a coûté très très cher. Mais voilà, les Sunning s'inclinent donc, sont désormais en 5-5 en LPL. Ça tremble fort pour la course au playoff. Mais c'est ça, et surtout on ne sécurise pas les BO où on est favori, où finalement tout devient compliqué, les Rogue Warriors là, mais du coup c'est ce côté où je sens que les Sunning, tu vois, il y a des games,
ok, il n'y a rien à dire et tout. Mais tu dis, dans les BO, tu ne sais jamais si c'est 100%. Et je vois que dans le chat, on reparle du dernier push potentiel à la place de faire l'Elder. Alors, les Sunning, 1, n'avaient pas de wave. 2, déjà, dans une vingtaine de secondes, il y avait de nouveau les adversaires qui arrivaient. S'ils reprenaient un flip à ce moment-là, c'est téléportation dans la base adverse avec l'été, et c'était terminé. Donc, s'ils allaient dans la base à ce moment-là et qu'ils n'arrivaient pas à terminer, c'était juste fini pour eux, et le choix le plus safe était de prendre l'Elder, de mettre un maximum de vision autour de leur base pour être sûr de pouvoir prévoir un déplacement de forge pour pouvoir avoir en plus, si tu le récupères, après tu as l'avantage numérique, tu y vas et tu as l'Elder et tu essayes de faire le fight, tu provoques. Là, à la fin de la partie, c'est en termes de pression, c'est tellement difficile pour eux de trouver une solution, parce que s'ils commitent sur le Nashor, on a forge qui va dans la base. S'ils ne commitent pas sur le Nashor, ils ne profitent pas de leur Elder. Donc ils doivent en théorie temporiser leur inhibiteur, mais s'ils restent dans leur base pour défendre leur inhibiteur, bah, c'est les Rogue Warriors qui vont prendre le Nashor, et sur un push Nashor, ils auraient tout simplement pu terminer la game. Donc ils étaient dans une situation où il n'y avait pas de bonne solution. La grosse erreur qu'ils font, c'est de vouloir terminer le Nexus sur le push précédent, et c'est celle-ci qu'on peut remettre en cause. Mais là, à la fin, ils étaient vraiment dans une situation où, peu importe ce qu'ils faisaient, c'était les Rogue Warriors qui avaient la priorité sur la map, alors que c'est eux qui avaient l'Ancestral. Ouais, et c'est justement ce qui est haletant, hein, voir ces fins de game qui sont un peu plus longues en LPL. On en a rarement l'occasion. D'habitude, c'est très dynamique, beaucoup de tueries. Et les fins de game, et c'était Zap qui en parlait, ce côté où finalement les équipes sont surprises, parce que en scrim, tu fais jamais ça. T'as très peu des fins de game avec des backdoors, des situations où tu dois réfléchir très rapidement, ouais, où il faut reprendre la vision. Et là, le Vatu des Rogue Warriors, il y va. Et il obtient le MVP. Hein. On a une tentative de flash de la part de ZDZ pour aller directement sur le Nexus. Betty, le... tout le monde était là et il temporise. Et là, on n'a pas assez de dégâts pour les faire tomber. Ils étaient larges. Hein. Ils étaient très, très, très. Tu l'as très, dit, très hein, il restait ça et après il fait tomber le Nexus. Quoi. Là, ouais, non, là, dans tous les cas, c'était inarrêtable. C'était inarrêtable comme percée. Et les Sonics auraient tous dû être dans la base. Mais si t'es tous dans la base, ils perdaient le Nashor et ainsi de suite. C'était vraiment du perdant-perdant. Donc, on va avoir une interview des Rogue Warriors. Qui prennent un 2v1 contre Sunning après avoir 2-1 les Invictus Gaming. Quelle phase de jeu, hein, donc moment. J'espère qu'on a un rookie. Ouais, on a le rookie, jungler qui va pouvoir nous parler un tout petit peu plus de tout ce qui s'est passé dans cette game. On revient juste après pour pouvoir débriefer cette interview. Onto this wing, and for opponents, SOFM is super experienced, and definitely he's one of the best junglers in LPL. So how do you feel of playing against him in this best of three? 那首先恭喜你们今天赢下比赛的胜利。那说到你们的对手 Solfen， 其实他也是一个非常有经验的打野，也是打得很好。所以说呢，今天面对到他，然后最后并且赢下了比赛，有什么样的一个感觉吗？感觉很开心吧，因为上初中的时候就看 Solfen 和厂长打野，然后赢下了他，还是挺开心的。So I'm very happy about getting the win against him, because from the junior high school, I have started watch he play the matches as well as Clear Love. So I'm able to win against SOFM. I'm super happy about this part. And also, let's move on to today's game. So it feels like in all the three games, you guys really put Zeke's this battling to a very high priority. We definitely know Zix can be a very hot pick currently, but Korean knows the reason for that three picks, for the three games picks in Zix. 那其实说到今天的比赛，感觉你们三局都选出了一个炸弹人的下路嘛。那我们知道这个英雄在这个版本还是比较火热的，但是连选三局的原因是什么呢？为什么会把它放到这么高的一个优先级？就是因为我们 AD 选手 Betty 排位用的比较多，胜率也比较高，就完了。So the reason for us to put Zix, this champion, on very high priority is our bottling player, Betty. He's really good at these champions. He really played a lot in solo ranks and got a super high win rate. So that's the reason for us to just pick this champion. And I want to talk a bit more about Game 3, because in Game 3, you guys were able to have a very huge gold lead. But after that, the opponent's team were able to win a couple of very crucial team fights, in like the team fights before getting the Dragon Soul and the team fight around the Baron pit. So could we know more about the team's communication in order to just calm down a bit to play the game? 那其实我们感觉到第三局的时候，你们在前期是有比较大的优势的，但是对面比如说在龙魂前的一波团，还有包括大龙坑的团，好像就是接连取得了优势。那当时你们队内有进行怎么样的一个沟通，然后慢慢的去稳住一下心态呢？当时第三条龙打输了之后，就想着等远古龙团，就远古龙团赢了就能好打一点了。
So after we just lost that dragon team fight, we try to wait for the elder dragon team fight, because if we feels like we no need to worry about that, if we can get the elder dragon, it will be an easy game for us. And after that, the game ended up with a very impressive backdoor after you guys have just broken down the opponent's inhibitor turret and Nexus turret, and we have realized that Forge really hadn't in that bush for such a long time. So tell me more about how the strategy went when you guys were able to, in order to get that backdoor. 那其实最后呢，也是一个非常非常精彩的偷家而结束的嘛。所以说我们也比较好奇，就是在你们拆掉了他们的两座门牙塔之后，然后我们看到 Forge 选手在草丛里是蹲了很久，所以说当时你们队内是怎么样的一个沟通，然后最后执行了偷家的战术呢？当时想着团战已经打不过了，然后让 Forge 去插眼，然后三个 TP 一起偷家，只有一个主水晶了嘛，然后就。So after that, we feels like we just cannot get the win through the battlefield or the team fight. So we just try our best to have that backdoor, and also Forge use the vision to try to find a very good angle to make the backdoor. And also because we have the other two teleport, the three of them were able to just make that backdoor. And luckily, we were able to win the game through this. And definitely, thank you for the sharing and congratulations again. 那再次恭喜你们，希望你们接下来也能加油。And back to you guys. Bye-bye. Merci Wendy pour cette interview du jungler des Rogue Warriors. Jungler rookie qui m'a été bien content de pouvoir gagner contre Style of Me. Vu tu qu'il m'étonnes. Il disait que quand il était encore à l'école, à la junior school, donc potentiellement le lycée ou le collège, je ne sais pas exactement. Ouais, c'est j'ai un pas des trop deux, envie de m'avancer. C'est... Mais du coup, quand il était encore en junior school, il regardait les matchs de Style of Me et les matchs de Clear Love. Donc, c'est au final l'un des joueurs dans lequel il avait pris exemple, et il arrive à le battre en match officiel. Ah, c'est toujours beau hein, quand tu arrives à affronter une de tes idoles et un de tes modèles et de finalement réussir à t'imposer contre lui. Après, il revenait également hein, sur le fait qu'ils ont assez exulté sur cette victoire-là. Il revenait sur le fait aussi, bon après il parlera du backdoor, mais c'est vrai qu'il revenait sur le fait qu'ils étaient confiants sur le fait d'avoir peut-être l'Elder plus tard et qu'au début, il parlait notamment des fights finalement autour des Drakes. Hein. C'est ça. La question de Wendy était aux alentours du team fight quand ils ont perdu l'âme des océans, quelle était la communication dans l'équipe. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas inquiets vu qu'ils n'étaient pas forcément derrière et qu'ils étaient confiants pour pouvoir prendre le fight à l'Elder, et s'ils le gagnaient, ils pouvaient terminer la game. Donc ils sont restés bien clairs et nets, ils avaient toujours une condition de victoire et c'était ce qu'il fallait. Et pour revenir sur le backdoor, c'était Forge qui a dit qu'il ne pouvait plus gagner en teamfight, il fallait trouver un angle de backdoor pour pouvoir utiliser les deux téléportations qui restaient. Donc ils ont bien pris le temps de le setup et ça s'est fait comme prévu pour Forge au final. Donc les Rogue Warriors qui terminent après ce backdoor en 2-1 face aux Sunning, qui prennent une deuxième victoire d'affilée. Les Sunning sont en 5-5 à peu près au milieu de tableau, et on va pouvoir s'aventurer vers le second BO de la journée, un BO où on attend également normalement un écart de niveau entre les deux équipes, avec des Oh My God qui nous ont montré du jeu très convaincant. Du côté des Ultra Prime, des jeux moins convaincants, donc bas de tableau contre milieu haut de tableau, c'était également l'affiche de ce match. Et au final, les Rogue Warriors ont réussi à faire tomber les Sunning. Ce sera dans quelques instants pour pouvoir voir si le scénario va se répéter dans le second BO de la journée. A tout de suite.